Oui, ce truc. Ok. Bon, bonjour à tous. Je vais m'occuper. Je m'appelle. Ah, ça marche pas. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, je m'appelle Yann Ferrini, c'est moi qui vais m'occuper de ce cours de génie logiciel ou ingénierie du logiciel. Donc l'idée c'est qu'on va essayer un petit peu de présenter qu'est-ce que c'est qu'une méthode de développement logiciel, avec une méthode qui permet d'essayer de traiter des systèmes d'assez grande taille ou d'assez grande complexité, avec la problématique d'essayer de gérer une équipe ou un ensemble de personnes qui travaillent sur un projet sur une certaine durée. Et donc on se rend vite compte qu'il va falloir quand même un petit peu s'organiser. C'est l'objectif de ce cours, donc de parler un petit peu des méthodes de développement. Alors c'est un cours introductif aux méthodes de développement, alors ça ne veut pas dire qu'on va sortir de là en sachant tout sur toutes les méthodes, etc. Mais donc on va essayer d'appliquer une méthode au fil du semestre, et comme ça de bien comprendre quels sont les tenants, les aboutissants, quand on essaie d'appliquer une méthode. Alors la méthode c'est quoi? Ben voilà, je pose le problème suivant. J'aimerais bien y avoir une voiture qui se conduit toute seule. C'est assez simple à énoncer comme problème. Hein. Et puis, y a une équipe de gens, ou même plusieurs équipes de gens, sur une certaine période. Ils vont travailler en partant de ce genre de besoin informel, jusqu'à construire une solution logicielle et matérielle intégrée, comme une Google Car, et réussir à lui faire passer tous les obstacles législatifs, etc., pour lui permettre de rouler sur la chaussée. Bon, on voit tout de suite, quand je présente ce problème-là, qu'on a un problème à grosse échelle, avec des grosses équipes, avec plein de problématiques différentes qui viennent intervenir dans ce projet, et que si on part un petit peu dans le vague, sans aucune méthode, sans savoir où on va, il y a des bonnes chances qu'on se plante, qu'on n'arrive pas au bout du projet. Donc si vous voulez, le besoin de méthode, il vient avec l'échelle du projet, d'une certaine manière. Si on a un projet qui est un petit truc dans un coin, un petit programme que j'ai créé pour, je sais pas quoi, manger les données à gauche et puis les remettre à droite, une page web, ou si la page web n'est pas très bien écrite ou pas très jolie, c'est pas très important. Globalement, si j'ai un produit que je vais écrire une fois et puis ensuite je vais m'en servir un peu et puis après je vais le jeter, bon, c'est pas très important et assez souvent l'approche... Souvent, quand vous arrivez en M1, on vous a toujours donné des projets de petite échelle comme ça. On a l'impression que, on peut simplement ouvrir votre IDE préférée, je sais pas ce que c'est, Eclipse, et hop, se mettre à coder. Donc, ce qu'on va expliquer dans ce cours, c'est que le codage, c'est une activité du développement, certes, elle a son importance, et le code aussi a son importance dans le développement logiciel. Mais ce n'est pas du tout l'artefact principal. Ce n'est pas le seul produit du développement logiciel. Et donc, on va s'intéresser en fait à beaucoup d'autres artefacts, beaucoup d'autres modèles qu'on peut construire. Et on va s'intéresser à la démarche qu'on va appliquer. Alors, si on regarde les différentes sources de complexité qu'on a sur ce genre de problème, bon, on a déjà tout un nombre de dimensions de complexité technique. Hein, donc, on a des interfaces entre des composants physiques qui sont embarqués dans le véhicule mobile et des caméras et des... comment ça s'appelle leur espèce de radar bizarre qu'ils ont dans cette voiture. On a des aspects temps réels. Il faut réagir en temps réel, et quand il y a une gamine qui traverse la route devant, il faut s'arrêter brusquement. C'est en plus un système critique, vu qu'on vient de dire qu'il y a des humains qui vont se servir du système et qui pourraient donc être mis en danger par le système lui-même. Il y a plein de problèmes de synchronisation. Il y a des problèmes d'interface homme-machine pour réussir à piloter l'engin. Il y a certainement plein de langages différents qui interviennent dans la construction du système. Et plus globalement, en fait, quand on regarde un objet comme la Google Car, quand on regarde un
système de gestion d'aéroport, quand on regarde des systèmes à un peu plus grosse échelle, ou un Airbus A380, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un système homogène qui est conçu par une équipe quelque part. Hein. C'est ce qu'on appelle plutôt un système de systèmes. C'est-à-dire qu'on a différents sous-systèmes qui sont produits par différentes compagnies en général et sur lesquelles on n'a pas un contrôle complet, et qu'on assemble ensemble pour construire un comportement émergent encore plus complexe. C'est donc notre système de système. Alors tout ça, ça pose un certain nombre de problématiques parce que vous voyez qu'on n'a pas la maîtrise sur tous les composants ni sur tout le processus entier. Et donc il faut s'adapter à ces contraintes et prévoir dans la méthode qu'on va permettre de traiter ces défis. Les deuxièmes sources de complexité, bon celle-là je pense qu'on comprend bien hein, que ça a l'air difficile quand même de fabriquer une Google Car. La deuxième source de complexité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va travailler dans une équipe. On va avoir une équipe d'une certaine taille qui va bosser, là tout à l'heure j'avais homme en sur la slide. Donc un homme en, c'est une quantité de travail. C'est la quantité de travail que fournit un développeur qui bosse un an sur le projet. Donc si j'ai un projet qui fait une certaine taille, il va faire, disons, je sais pas moi, 50 hommes en, et puis on va le réaliser en 2 ans avec une équipe de 25. D'accord, c'est ça que ça veut dire. Je vais mettre 25 personnes à temps plein pendant 2 ans à bosser là-dessus, ça fait 50 hommes. C'est pas tellement énorme, quoi. Hein. Les produits européens, machin, ça fait plutôt 3-4 ans avec un peu plus que ça. Mais donc, un des premiers aspects, c'est qu'on va avoir besoin de faire de la gestion de projet, gestion des exigences. Donc si on regarde, par exemple, le rôle du chef de projet, ou de quelqu'un globalement qui s'occupe de la gestion et de la conduite du projet, qu'est-ce qu'il a envie de voir, lui? Est-ce qu'il a envie de regarder le code? Pas vraiment. C'est pas vraiment le code source en lui-même qui l'intéresse. Hein, on est d'accord. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelles sont les tâches et où est-ce qu'on en est dans l'avancement de ces tâches. Donc le genre de formalisme qu'il a envie de regarder, c'est par exemple un diagramme de Gantt. Ici, là, en haut à gauche. Donc dans ce genre de diagramme, on a le temps qui défile horizontalement. Donc ça, c'est la semaine d'avancement dans le projet. La ligne en pointillé, c'est où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et puis, pour chacune des tâches, on a une date estimée de début et de fin. Il peut y avoir des dépendances entre ces tâches. Donc, il faut que j'ai fini la tâche en haut avant de pouvoir aborder la suivante. En général, les tâches, elles ont aussi des responsables qui leur sont affectés. Comme ça, si on voit qu'on a débordé du timeline pour cette tâche, ben, on peut essayer de réagir tout ça. Ou alors, de façon un peu plus agile, ce type de représentation-là s'appelle un Kanban. Donc essentiellement, c'est une structure pour gérer le travail de mon équipe. Hein. En général, ça se présente tout simplement comme un tableau avec des petites puces magnétiques ou des petites puces collantes ou des post-it. Hein. Avec, bon, de base, il y a 3 colonnes. Il y a les choses qui sont encore à faire, les choses qui sont affectées et que je suis en train de faire, que quelqu'un est en train de faire. Et puis les choses qui sont finies, que je vais mettre dans la dernière colonne. Et donc au fil du projet, on démarre avec plein de post-it dans la colonne de gauche, ici qui s'appelle backlog, c'est un terme de Scrum, on verra ça plus tard. Et puis d'essayer de les pousser jusque les colonnes de droite qui correspondent à un traitement réalisé. Ou alors peut-être ce genre d'outil-là, là, un burn-down chart. Donc un burn-down chart, c'est une façon de suivre l'évolution du projet, dans lesquels on compte, on évalue, on met un certain nombre de points sur chacune des tâches qu'on a identifiées pour le projet. Et puis du coup, ça me fait un certain nombre de points. Au début de l'itération, je suis à 27 points. C'est le travail qui me reste à réaliser. Et puis je vais pouvoir, au fil du temps, quand les tâches sont réalisées, ben, je diminue, c'est la courbe rouge, non? Et puis à partir de ça, je peux essayer d'estimer la célérité de mon équipe, c'est-à-dire combien de points elle arrive à faire sur une itération, disons, de 20 jours. Ben, je commence à m'habituer qu'en 20 jours, on arrive à faire à peu près 28 points ou je ne sais pas quoi. Donc ça me permet de planifier, de prévoir l'activité de mon équipe. Bon, en tout cas, ce n'est pas du code. Hein. Après, il y a des gens comme les architectes. Alors l'architecte, qu'est-ce qui l'intéresse? Lui, il voudrait voir le système à gros grains. Il veut voir plutôt les entités du système, comment est-ce qu'elles collaborent. Donc ce genre de vision en haut à gauche, là, avec des composants assez abstraits et un petit peu des connexions entre elles, mais dans laquelle il y a beaucoup de détails qui sont complètement évidés. Ou en haut à droite, un assemblage de composants dans une certaine configuration. Alors ça, ces diagrammes de composants-là, on en fera un peu, mais
pas aussi compliqué que ça dans l'UE. Donc dans la deuxième partie de l'UE, on fera pas mal de composants, ça ressemblera un peu à ça. Il est intéressé par quelles sont les interfaces offertes, les interfaces requises des différents composants de la solution, quelle est l'API qu'ils offrent, hein, parce que quand on fait de l'architecture, on se préoccupe essentiellement de découper le système en sous-système et de les faire communiquer entre eux. Et peut-être aussi de la dynamique du système, donc comment se font les échanges de données et qui transmet quelle information à quel autre objet. Ici, j'ai représenté ça avec un diagramme de séquence, qui est aussi un diagramme de séquence qu'on va pas mal manipuler pendant l'UE. Bon, en tout cas, de nouveau, l'architecte, est-ce qu'il a vraiment envie de voir le code source? Pas très souvent. Hein. À la rigueur, les codes d'assemblage de GUIS ou les codes de configuration, hein, mais pas tellement vraiment les composants en eux-mêmes. Le développeur, bah celui-là, c'est le rôle que vous connaissez mieux, a priori. Du moins, j'espère que vous y êtes un peu préparé, hein, que vous savez un peu programmer. Alors, qui ne parle pas Java? Bon, il va falloir bosser un petit peu le Java, quoi. Voilà, c'est tout. Sur la deuxième partie de l'UE, surtout. Sur la première partie de l'UE, c'est pas très important, mais sur la deuxième partie de l'UE, on se met à faire des choses qui sont plus proches du logiciel et plus proches du code, et du coup, de ne pas avoir fait du tout de langage orienté objet, ça peut être un peu gênant. Sinon, pour le reste, normalement, alors, qui a fait de l'UML déjà? Une grande majorité. Bon, ben ça, c'est bien, parce qu'on va s'appuyer un peu sur UML, même si ce n'est pas un cours d'UML, mais ça vous aidera à vous rapprocher. Ok, donc le développeur. Ben, le développeur, a priori, on se dirait que son artefact premier, justement, lui, c'est le code. C'est ça qu'il fabrique au quotidien, mais il ne fabrique pas du code dans le vide. Hein. Il fabrique du code qui doit réussir à passer un certain nombre de tests. Donc, il manipule aussi les tests et les résultats des tests et les oracles, etc. Il regarde aussi les API, parce que c'est lui qui doit implanter l'API ou qui doit réaliser la fonctionnalité qui est derrière le fameux traitement qu'on a identifié en architecture. Maintenant, c'est à lui de le coder. Hein. Il veut faire de la conception à grain plus fin, peut-être, donc des genres de diagrammes de classe avec la structure de l'application, peut-être diagramme de séquence, tout ça. Et puis surtout, en général, ce qu'il espère, le développeur, c'est qu'on lui ait donné ce qu'on va appeler une spécification fonctionnelle. Donc c'est un document, en général, en langue naturelle, hein, donc c'est pas formel, c'est pas rigoureux en soi, mais c'est rédigé avec des rubriques... qui permettent de bien identifier qu'est-ce que le programme est censé faire, comment est-ce qu'il est censé réagir aux sollicitations. Et le développeur, il a besoin de ça, parce que sinon, il ne sait pas quelle est sa cible. Donc, il ne sait pas ce qu'il est en train de construire. Donc, il va falloir quand même un certain nombre d'éléments pour le guider dans son travail. Bon, on pourrait continuer assez longtemps. Hein. Peut-être d'autres types d'artefacts que vous avez déjà croisés pour le développement logiciel. Si vous avez déjà eu un cours de base de données dans votre vie, vous avez dû voir des schémas entité-association, on dit en français, entity relationship, là. Donc, c'est ces schémas de base de données avec des associations 0N et compagnie qui permettent d'engendrer le schéma de la base SQL, des requêtes SQL, des différents graphiques pour étudier les volumes, les performances, voilà. Mais de nouveau, ce n'est pas vraiment des langages de programmation en soi, hein. Ce n'est pas du code, c'est des artefacts dédiés à ce domaine métier particulier. Bon, et on pourrait continuer toute la journée comme ça à citer des gens qui ont un métier qui certes touche le développement logiciel, mais en pratique qui ne consiste pas à fabriquer du code, hein, et pour lesquels les outils qu'on veut lui apporter et la vision qu'il veut avoir du système, c'est sans doute pas une vision au niveau code. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la diversité. Et la diversité, ben, c'est quelque chose qu'on est obligé d'accepter, en fait. On ne peut pas fusionner toutes ces représentations, les mettre ensemble, ça n'aurait pas de sens. Hein. On perdrait l'intérêt de ces représentations, qui sont de me permettre de me focaliser sur un point de vue particulier. Donc je regarde le projet selon cet axe-là, parce que moi, mon problème, c'est de faire de la gestion de projet. Et donc, en dehors des tâches et de leur affectation et du timing, bah, le reste, ça m'intéresse modérément, d'accord ? Et j'ai pas du tout envie de devoir
patauger dans quelque chose où il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas utiles ou pas présentées comme j'ai envie. Donc la diversité, il faut l'assumer. Le code à lui tout seul, c'est pas, ça ne suffit pas. Hein. Donc il va falloir qu'on se donne un certain nombre d'outils pour communiquer mieux entre les membres de l'équipe. En admettant qu'il va nous falloir différentes granularités de représentation, il va nous falloir différents niveaux d'abstraction, en fait, hein, des représentations très abstraites, des représentations très concrètes comme le code, et il va falloir faire attention un peu à la cohérence. Donc on aimerait bien que tous ces différents objets qui ont pourtant des natures différentes, ils gardent quand même un point commun, ils restent alignés les uns par rapport aux autres. Ok. Alors, quel est l'objectif de la méthode? Donc, la méthode, le but premier, c'est de produire un meilleur logiciel plus vite. C'est ça le but premier d'une méthode. Si la méthode, elle ne répond pas à ces critères-là, c'est sans doute pas une bonne méthode. Ça veut dire que soit on perd du temps en appliquant la méthode, soit la qualité, elle est moindre en faisant cette méthode qu'en faisant autre chose. En tout cas, j'ai raté mon objectif. Hein. Donc le plus souvent, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on veut augmenter, c'est globalement la productivité, mais la productivité tout en maintenant la qualité du logiciel. Alors, souvent, si je prends mon temps, eh ben, j'aurai quelque chose de meilleure qualité que si j'essaie de rusher et d'aller très vite. Hein. Donc c'est des valeurs qui sont un petit peu en opposition les unes avec les autres. En fait, comment est-ce qu'on place le curseur entre ces deux problèmes, hein, ça va dépendre de l'activité de ma boîte et de qu'est-ce que je suis en train de fabriquer. Si je suis en train de fabriquer un système de pilotage d'aiguillage pour les trains et que je suis soumis aux normes européennes super stringentes sur n'importe quoi qui va toucher un train commercial ou je sais pas, de l'aviation civile. Donc là, on a des trucs comme ça, 2000 pages à se taper, des contraintes énormes sur le processus de développement, pour essayer de garantir qu'à la fin, le logiciel qui est embarqué dans l'avion, eh ben, il est aussi fiable que n'importe quelle autre pièce mécanique de l'avion. Si au contraire, comme je disais, je suis en train de faire quelque chose comme une page web, ou quelque chose d'un petit peu jetable, ou quelque chose de... Ou ce qui m'importe, c'est surtout le time to market. Il faut qu'il y ait très peu de temps entre mon idée et le moment où je la mets sur le marché. Ben, je vais peut-être plutôt aller vers des méthodes agiles, des méthodes un peu ad hoc. On va se mettre tous ensemble dans une pièce et puis discuter rapidement et puis on va se lancer à implanter. On aura peut-être un résultat d'un peu moins bonne qualité au final, mais si on produit plus vite, on peut être satisfait. Alors, la qualité du logiciel, c'est aussi une question un peu compliquée. C'est quoi les bonnes qualités d'un logiciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me citer les qualités du logiciel? Ouais? La robustesse. Ah ouais, je l'ai mentionné peut-être. Ah. Ok, il y en a deux, trois mentionnés. Ouais, donc la robustesse. Le fait que le système, il résiste bien aux pannes, il résiste aux fautes, il se relève si jamais ça plante. On ne va pas perdre de données. Ouais. L'utilisabilité, l'ergonomie du logiciel. Donc le fait que le logiciel, effectivement, on arrive à s'en servir et que l'utilisateur final, il arrive à se dépatouiller dedans pour atteindre son objectif premier. Ça, c'est sûr que c'est une bonne qualité du logiciel. Bon, il y a beaucoup de qualités du logiciel qu'on pourrait citer, hein. Alors plutôt que de réfléchir par moi-même, je vais prendre les standards, hein. Donc, ici, c'est un screenshot de la vue d'ensemble du standard ISO 20510, là. Ah, j'ai mis 25010, non, je crois que c'est 20510, si je ne dis pas de bêtises. Dans lequel on identifie les qualités du logiciel. Alors, les qualités du logiciel, selon ce document, qui est la référence officielle, quand même, hein, elles se découpent selon ces 7 axes. Alors, on a effectivement l'adaptation fonctionnelle. Donc c'est le fait que, effectivement, mon logiciel, il permet d'atteindre les objectifs du cahier des charges, si vous voulez. Il atteint les objectifs du point de vue de l'utilisateur. Donc il doit être fonctionnellement complet,
C'est-à-dire qu'il doit couvrir tous les scénarios dont a besoin l'utilisateur. Il doit être fonctionnellement correct. Donc, il n'y a pas un moment où je lui donne une entrée et il sort un résultat qui est faux. Hein. Et il doit être fonctionnellement approprié. C'est-à-dire que les moyens mis en place pour répondre à la question sont adaptés à la difficulté de la question. Et globalement, les solutions technologiques employées sont pas overkill ni underkill, enfin, sont bien adaptées au problème. Ensuite, on a tous les problèmes de non fonctionnel. Ce qu'on va appeler donc une contrainte non fonctionnelle. Supposons, je veux un programme où je lui donne un jeu d'échecs comme ça, et il me répond vrai ou faux, il y a un échec et mat. Bon. Donc ça, c'est assez facile de spécifier mon problème, qu'est-ce que c'est qu'un échec et mat, et qu'est-ce que c'est qu'un plateau d'échecs. Maintenant, ce que je n'ai pas dit ici, c'est en combien de temps il faut répondre. Bon, donc la partie fonctionnelle, c'est qu'est-ce qu'il faut répondre, qu'est-ce qui est un résultat correct, qu'est-ce qui est un résultat faux. La partie non fonctionnelle, c'est des choses comme le temps de réponse, donc le comportement en performance en termes de temps, le comportement en performance en termes de mémoire, utilisation de ressources plus globalement. Hein. Ça peut être aussi l'efficacité énergétique. De nos jours, c'est une préoccupation, surtout sur les ARM, les choses qui tombent sur téléphone portable. Peut-être la capacité qu'il faut pour stocker toutes les données de l'application, etc. Voilà. Alors, l'efficacité, la performance, c'est pas quelque chose qu'on va beaucoup aborder dans l'UE. Hein. Ça reste une préoccupation un petit peu en tâche de fond. Mais on va estimer que ça relève de l'optimisation, hein, le fait d'améliorer les performances du logiciel. Donc on va s'efforcer de faire une belle organisation de notre code et une belle structuration. Mais les problèmes de performance, c'est vraiment pas ce sur quoi on va focaliser. La correction fonctionnelle, ça on va faire très attention. Dans l'UE, on va passer pas mal de temps à essayer de bien identifier ce qu'on sait quelle est la cible qu'on veut fabriquer, de façon à ne pas se tromper, donc ça fait partie de la méthode. Alors, la compatibilité, elle est notée en rouge parce que c'est des qualités qui sont identifiées dans ce standard-là, là, qui date de 2015. Mais donc, la version précédente du standard ISO sur la qualité, qui était ISO 9126, il y avait un peu moins de catégories et un peu moins de qualités qui étaient identifiées. Donc, les deux catégories en rouge, là, c'est des catégories qui sont nouvelles sur ces nouvelles versions du standard. C'est pour ça qu'elles ont une couleur différente. Donc la compatibilité, c'est l'idée que mon logiciel, il peut à la fois coexister avec d'autres logiciels qui ont des natures différentes. Donc je vais pouvoir les faire tourner dans les mêmes plateformes, dans les mêmes environnements. Et si possible, il doit pouvoir s'interopérer avec ces autres composants, ces autres éléments qui sont hétérogènes vis-à-vis de lui, peut-être écrits dans d'autres langages, peut-être qu'ils sont distribués à travers le réseau, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la compatibilité. Par exemple, je sais pas, moi, je prends mon service que j'ai écrit dans mon langage X et puis je l'expose à travers un Google Protobuf ou une API web. Et ben ça y est, j'ai réussi à le rendre accessible et compatible avec une foultitude d'autres logiciels. Alors ensuite, justement, la qualité qu'on m'a relevée tout à l'heure, l'utilisabilité du logiciel, hein, avec dedans plein de petites sous-catégories. Donc déjà le fait qu'il soit facile à apprendre, hein, donc que la courbe d'apprentissage du logiciel soit pas trop raide et que l'utilisateur s'en sort, le fait qu'il soit approprié au domaine métier, donc il n'y ait pas besoin de s'apprendre tout un nouvel domaine métier, si ce que je fais c'est vendre des tickets de train, bah, je voudrais que mon application elle soit faite pour ça et pas pour autre chose, hein. Protection contre les erreurs d'utilisateur. Alors c'est un peu comme la robustesse, hein, sauf que c'est plutôt penser que les humains vont se planter ou toujours cliquer sur le mauvais bouton, etc. Et bah, l'humain a droit à l'erreur, normalement. Hein. Donc un logiciel bien conçu, il doit prévoir que les humains vont faire des erreurs et qu'ils vont vouloir faire undo. Et enfin, la partie esthétique, ergonomie, charte graphique et compagnie qui fait partie de l'utilisabilité. Alors, ensuite, on a la fiabilité, reliability. Hein, donc, la fiabilité du logiciel, ça va toucher un petit peu la robustesse. Hein. Donc, on va trouver là-dedans
la maturité du logiciel et sa résistance aux fautes. Donc, la maturité, c'est quelque chose qu'on mesure en regardant depuis combien de temps on n'a pas eu de nouveaux rapports de bugs sur le logiciel et donc quelle est sa stabilité sur le long terme, en termes d'évolution, est-ce qu'il est bouclé ce logiciel, où est-ce qu'on en est, hein. La tolérance aux fautes, donc c'est le fait que si jamais il y a une faute, eh ben, on a des mécanismes qui sont prévus dans le logiciel qui vont permettre de récupérer de la faute, tout simplement. Et la disponibilité, bon, ben, si je fabrique un service de paiement en ligne, il faudra qu'il soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps. Donc la disponibilité du logiciel, c'est juste le fait qu'il ne s'arrête jamais, hein, que je puisse le faire tourner en continu. La sécurité, de nouveau, des qualités qui ne vont pas beaucoup nous préoccuper dans cette UE. Mais donc, on trouve les choses habituelles de sécurité. Donc, la confidentialité, c'est le fait que personne n'arrive à accéder à mes données. Si c'est mes données protégées, on ne doit pas pouvoir y accéder, les autres qui n'ont pas le droit. Hein. L'intégrité, c'est on ne doit pas pouvoir les modifier, même si je n'arrive pas à y accéder, je ne dois quand même pas pouvoir pourrir les données de ton compte en banque. La non-répudiation, c'est si c'est moi qui ai dit que je l'ai fait et que je l'ai signé, eh ben, il ne faut pas que j'arrive à dire plus tard que en fait, non, c'était pas moi. Hein? Donc, c'est le fait d'être capable de signer et de tracer les échanges dans le système pour être capable de les associer à un utilisateur particulier. L'authentification. Et accountability. Je ne suis plus très sûr ce que c'est. J'aime mieux pas dire une bêtise. On peut en regarder. Donc sur le site, vous trouverez pour chacune de ces qualités plusieurs paragraphes. Hein. Le standard, il n'est pas immense. Hein. Il fait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de pages. Ce n'est pas énorme. C'est des descriptions informelles de ces qualités. Mais donc ça donne tout un certain nombre d'axes sur lesquels on peut réfléchir. Bon, ensuite, un axe, même deux axes qui vont nous intéresser un peu plus. La maintenabilité. Donc la maintenabilité, c'est non seulement le fait de pouvoir faire de la maintenance sur le logiciel au fil du temps, peut-être qu'il y a une nouvelle version des bibliothèques ou des choses qu'il faut que je mette à jour dedans, et si je peux. Mais dans la maintenabilité, on a aussi l'idée qu'au cours de la vie du logiciel, les besoins peuvent évoluer, et que donc il y a des nouveaux besoins qui viennent se raccrocher sur mon logiciel. Et donc dans la maintenabilité, on va aussi mettre des choses comme la modularité. Donc le fait que mon logiciel soit découpé en petites briques et que chaque brique soit réutilisable peut-être dans un autre contexte, avec pas trop d'hypothèses sur le contexte dans lequel on se sert de la brique. Et la réutilisabilité, qui est donc cette idée que, effectivement, maintenant que j'ai conçu mes briques, je vais pouvoir construire divers bâtiments avec ces mêmes briques en les réutilisant telles quelles. Donc la réutilisation, hein, attention au logiciel. C'est pas je copie-colle le logiciel et ensuite je modifie le code. Ça, c'est pas de la réutilisation. Hein. La réutilisation, c'est je fais import bidule et hop, je tourne. Hein, je m'en sers directement. Donc la réutilisabilité, quand on est en train de construire des applications un peu plus grosses, il va falloir qu'on se donne des unités de réutilisation. Dans l'UE, on va faire des composants. Hein. Et puis, ben, on va essayer de construire une application qui aura des bonnes qualités de modularité et de réutilisabilité. Bon, alors la portabilité, je n'ai pas tellement envie d'insister de nouveau. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retarder l'introduction de la plateforme technique. Donc, on va essayer de ne pas faire trop d'hypothèses, surtout sur tout le début, toute l'analyse du système. Sur quelle va être notre cible. En pratique, dans la deuxième partie de l'UE, ce qu'on fera, c'est qu'on va cibler Java. On va faire du Java classique. Hein. A priori, vous parlez tous Java, c'est ce que j'ai vu dans le sondage tout à l'heure. Mais l'idée, c'est qu'on pourrait très bien implanter dans n'importe quel autre langage. Donc, s'il y a d'autres langages qui vous plaisent, la démarche qu'on va appliquer, elle va essayer de quand même favoriser la portabilité des solutions qu'on développe. En plus de les rendre interopérables et compatibles les unes avec les autres.
Voilà, donc tout ça, c'est un découpage des qualités possibles du logiciel. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de qualités possibles du logiciel, et bien souvent, ces qualités, elles sont un petit peu en opposition les unes avec les autres. Donc, c'est la même chose. Il va falloir décider, placer notre curseur. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que j'ai des gros besoins de sécurité? Très bien, et bien peut-être que ça va impacter à la fois la performance et puis l'utilisabilité du logiciel. Parce qu'un logiciel qui a des grosses contraintes de sécurité, assez souvent, c'est un peu pénible à utiliser parce qu'il me demande de m'authentifier toutes les minutes et tout ça. Bon, bah ok, mais c'est là que je vais mettre le curseur. Alors du coup, c'est assez important quand même de se choisir les qualités qu'on va chercher à traiter. Hein. Donc nous, on va se donner des objectifs plutôt de portabilité, modularité, réutilisabilité des morceaux logiciels qu'on va construire. Hein. Mais selon le contexte dans lequel on est, il faut voir qu'il y a d'autres, que les différentes qualités, c'est à nous de décider quelles sont les plus importantes. Alors la qualité, c'est un outil en soi. Si ça vous intéresse et que ça vous amuse, c'est très bien payé. C'est pas très amusant, hein. Je ne veux pas mentir. Hein. Enfin, chacun ses goûts. Hein. Et puis, on passe notre journée à auditer les autres, en plus, donc ça évite de travailler dedans. Pas très gentil. Non, la qualité c'est un métier en soi, voilà, responsable qualité. Il y a des tâches particulières, des artefacts particuliers. Alors, dans ce cours, l'idée c'est que c'est pas vraiment ça notre focus, hein. Mais je pense que c'est quand même important d'être conscient de qu'est-ce qui fait la qualité. Donc, la qualité, non seulement on a ces indicateurs là, toutes ces différentes qualités que je vous ai identifiées. Qui sont répertoriés et triés. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui essaye de mesurer quelle est la qualité de mon logiciel. Si je vous demande comment mesurer l'efficacité en temps de mon logiciel, ok, je prends un benchmark et je le lance et j'obtiens le résultat du benchmark. D'accord ? Si je me demande de mesurer la modularité de mon logiciel, qu'est-ce que je vais me donner comme instrument ? Il va me fournir une métrique. Alors, la notion de métrique, là, je la définis ici. Là. Une métrique, c'est un indicateur quantitatif, objectif, normalement, c'est quelque chose que je mesure de façon neutre, et qui va me permettre, en principe, d'essayer d'évaluer l'évolution d'une des qualités du logiciel sur mon software. Alors, les métriques, ça peut être des choses très simples, hein. Tout simplement, combien il y a de lignes de code dans mon projet. Bon. Donc, plus le projet est gros, plus il est gros, quoi, voilà. Alors ça, je peux me dire, bah, du coup, je ne sais pas trop comment mesurer l'évolution. Bah, peut-être que je peux prendre quelque chose comme le nombre de classes qu'il y a dans chaque package. Donc, s'il y a des packages qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de classes, peut-être que c'est que j'ai mal structuré mon code et que je devrais couper mon package en sous-package ou redistribuer ou recouper autrement. Ou peut-être, quelle est la profondeur des héritages dans mon arbre d'héritage, parce que j'ai une structure objet qui est beaucoup trop complexe, avec 5 niveaux d'héritage, je ne sais pas quoi. Si je suis en train de regarder les tests, je peux regarder quelle est la portion des lignes de code du source qui sont couvertes par les tests. Si je suis en train de regarder une spécification, je peux regarder combien des cas d'utilisation du système sont couverts par des tests de validation. Etc, etc. Donc, c'est des petits indicateurs chiffrés en général. Hein. Et là, il y en a quelques-uns, mais il y a beaucoup de métriques différentes qu'on peut identifier pour le code. Si vous voulez jouer un peu avec ça, vous pouvez regarder des outils comme Sonar. Sonar Cube, peut-être, ça s'appelle. Je ne suis plus très sûr. Des petits outils comme ça, où si vous avez un projet GitHub, il y a moult fournisseurs aujourd'hui d'instruments de surveillance de la qualité du code et compagnie. Vous pouvez vous inscrire, ensuite vous déclarer votre projet GitHub dessus, et vous faire une analyse sur vos sources et vous sortir plein de petites métriques et de warnings à gauche à droite et vous dire vous avez le droit au petit label vert avec un A à mettre sur votre projet parce que votre code a une bonne qualité ou pas. Hein, ce genre de choses. Bon, donc les métriques, quelque chose dont on va se resservir dans l'UE assez régulièrement. La deuxième partie de la qualité,
c'est l'évaluation des risques. Donc, dans un plan qualité logiciel, on va trouver différents éléments dedans. Hein. Il y aura des choses comme des chartes de codage, des conventions, de voilà. Et puis, il y aura une évaluation des risques pour le projet. Par exemple, que se passe-t-il si un des membres de mon équipe est malade? Alors, ensuite, on va se dire, bon, bah, est-ce que c'est un problème pas très grave, moyennement grave, critique pour mon projet? Donc, on essaie d'évaluer la dangerosité du risque. Et puis, si le risque il est important, eh ben, on va essayer de prendre ce qu'on appelle des mesures de mitigation. Donc, on cherche à mitiger le problème. Donc, maintenant que j'ai identifié le problème, je vais mettre en place des mesures dans la gestion de mon projet qui vont faire que ce problème est moins grave. Par exemple, toute personne qui travaille sur le projet a aussi un... Enfin, on a ses accès déjà, donc on ne va jamais perdre les données même s'il n'est pas là. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est au courant de ce qu'il fait et qui peut donc prendre la relève sur cette partie si jamais il n'est pas là. Voilà, je ne sais pas, risque... on perd le disque dur avec tout le code source du projet. Bon, bah, mitigation, on va coller ça quelque part dans le cloud, on va être sûr qu'on ne va pas le perdre. C'est pas forcément très compliqué, hein, mais c'est simplement une réflexion en amont sur les problèmes qui pourraient se poser, et une réflexion aussi sur la façon de pouvoir limiter l'impact de ces projets sur le développement de mon système. Voilà, donc dans l'UE, on ne va pas faire toutes les qualités. Et comme je disais, la portabilité, la réutilisabilité, la modularité, c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Et aussi sur la correction fonctionnelle. Donc le fait qu'on réponde bien au cahier des charges, les aspects non fonctionnels, les performances, tout ça, on saute un petit peu. Alors, la méthode, démarche, approche, conduite. Donc une méthode, quand on définit ça, souvent, on découpe la méthode en différentes dimensions. Donc on a d'une part la démarche. Alors la démarche, ça va nous expliquer quelles sont les étapes que je suis censé appliquer, dans quel ordre il faut les faire, comment est-ce que j'enchaîne d'une étape sur l'autre, quand est-ce que je sais qu'une étape est terminée. Donc ça va me préconiser, si vous voulez, un certain nombre de tâches qu'il va falloir faire au cours de mon développement. Par exemple, dans l'UE, on va faire, on commence par faire une représentation des cas d'utilisation du système, qui va me permettre d'identifier quelles sont les fonctions que l'utilisateur veut que le système y réalise. Et puis ensuite, on va réfléchir à une granularité composant. Et puis ensuite, on va réfléchir sur la conception en classe de comment ces composants sont réalisés. Mais donc ça, c'est l'approche, la démarche. La démarche, ça va consister à me définir quelles sont les étapes du développement. Donc, si j'étais en XP ou en Scrum, peut-être l'activité, c'est plutôt écrire les tests, et puis ensuite, j'essaie d'exécuter les tests. Donc ça dépend un petit peu de la méthode qui est proposée. Mais dans toute méthode, il y a un aspect de démarche qui va définir un certain nombre d'étapes dans le développement. La deuxième partie, c'est de l'approche. Alors l'approche, ça va me définir des outils en fait, des techniques et des outils qui vont me dire qu'est-ce que tu cherches à représenter, avec quel formalisme tu représentes ça, quelles sont les techniques de manualisation que tu utilises, et si possible, qui va un petit peu me guider dans l'utilisation de ces notations. Donc, nous ce qu'on va faire dans l'UE, on va faire de l'UML. On va prendre UML parce que UML c'est un standard ISO et machin. En plus, c'est bien, en majorité, vous m'avez dit que vous avez déjà fait de l'UML, donc je ne serai pas paumé. Maintenant, UML, si vous en avez déjà fait un peu, vous avez vu que c'est vaste. Hein, c'est 14 types de diagrammes dans la dernière version de la norme, dont il y en a 3 ou 4, on ne sait même pas très bien à quoi ça sert. Non, je plaisante. Enfin, moi je sais à quoi ça sert, mais je suis sûr qu'il y en a au moins 3 ou 4 que vous ne savez pas à quoi ça sert. C'est un langage très complexe, il y a plein de niveaux d'abstraction possibles, il y a plein de façons de modéliser et compagnie. Alors, si on vous dit juste qu'on va faire de l'UML, je ne sais toujours pas par quel bout le prendre, hein, parce que ça pourrait servir à faire n'importe quoi à UML. Donc ici, on va proposer certains diagrammes UML à un certain niveau d'abstraction,
Et donc, pour chaque étape de l'approche, de la démarche, pardon, qui me dit, tiens, bah, là, à ce stade, on s'intéresse à quelles sont les données manipulées par l'application, et ben, on va répondre à ça en disant, très bien, à ce stade, on va fabriquer ce qu'on va appeler le diagramme de classe métier, dans lequel on va chercher à faire une représentation des données de l'application, mais séparément de la dynamique de l'application, la façon dont elles sont manipulées. Et ensuite, on va recroiser ça avec une information dynamique qu'on a collectée par ailleurs. Et donc ça, c'est des genres d'heuristiques. Alors pourquoi on dit une heuristique, hein? C'est parce que vous comprenez bien que tout ça, l'objectif de la méthode, on m'a dit, c'est juste de produire le logiciel plus vite et mieux. Hein? Alors, il n'y a pas de solution universelle. Hein? C'est des humains qui bossent sur un projet. Est-ce que ça va vous aider de faire le diagramme UML que je propose? Il y en a dans la salle qui, à la fin de l'UE, penseront que non. Il y en a qui penseront que oui. OK. Mais tout ça, c'est juste des heuristiques, quoi. C'est des façons... On ne connaît pas la solution du problème. On ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il faut traiter notre problème de fabriquer la Google Car. Mais on va me proposer ici une ligne, une façon de construire les schémas dans un certain objectif à chaque étape, avec l'idée qu'en principe, si je fais ça, ça peut m'aider à atteindre l'objectif de développer mon software. Donc on va faire de l'UML, on va faire des composants et on va faire de l'orienté objet essentiellement. C'est ça les armes qu'on va se donner en termes d'approche dans l'UE. Et le troisième axe, c'est la conduite de projet. Alors la conduite de projet, c'est tout ce qui a trait sur comment est-ce que je fais le découpage en tâches, la distribution de mon équipe, et ensuite comment est-ce que je me fais le suivi de l'avancement du projet, la gestion des retards ou des délais, etc. Tout ce qui est à la fois prévoir et suivre l'avancement du projet. Alors, on va passer pas beaucoup de temps, j'avoue, dans l'UE là-dessus. Donc, on en reparlera un petit peu à la prochaine séance, légèrement. Et puis, en séance 8, on reviendra un petit peu, parce qu'on fera de l'agile avec Scrum et d'autres, dans lesquels la conduite du projet est une partie plus intégrante dans la méthode que dans la méthode qu'on va proposer ici. Donc la méthode, elle doit améliorer la production du logiciel. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Bah, essentiellement, donc, elle doit répondre aux questions quand, qui, comment, quoi. Donc quand faire les choses? Comment est-ce qu'on découpe en étapes? Comment est-ce qu'on enchaîne ces étapes entre elles? Quels sont les rôles? Est-ce que, comme dans certaines méthodes, on a une responsabilité partagée et tous les développeurs sont au même rang dans la structure et ils font tous le même métier et il y en a un seul qui est Scrum Master? Ou est-ce que, au contraire, j'ai une structure très organisée dans laquelle j'ai un 6 DBA qui est admis de la base, et j'en ai un autre qui est expert d'IHM, et j'en ai un autre qui est expert du framework Flutter bidule truc, et chacun sa spécialité et sa chapelle et développe dans son rôle. Après, la définition des rôles, souvent, c'est des rôles un petit peu abstraits, c'est des casquettes, hein. Donc une même personne physique, elle peut très bien occuper plusieurs rôles vis-à-vis du projet, elle peut être à la fois analyste et développeur. Et réciproquement, on peut avoir plusieurs personnes qui occupent le même rôle. Hein. Donc, mais la définition des rôles, ça fait partie souvent de la méthode de dire, bon, bah, ok, un testeur, c'est quelqu'un qui fait tel rôle, voici les actions qu'il veut faire sur le système, etc. Le comment, donc les stratégies, les outils, comment est-ce qu'on aborde le problème, quelles sont les heuristiques qu'on propose. Et le quoi, donc comment est-ce qu'on va spécifier les objectifs, comment est-ce qu'on va capturer le besoin utilisateur, et puis comment est-ce qu'on va se servir de ça pour aller vers le développement, comment est-ce qu'on peut faire la traçabilité des exigences. Donc les exigences, c'est des choses qui dérivent du cahier des charges du client. Le client, il a un certain objectif, il veut fabriquer un logiciel qui fait quelque chose. À partir de cet objectif, on dérive des tâches qui doivent aider à atteindre cet objectif, qui est un objectif du client. Et ces tâches vont mener à réaliser des composants dans mon application et du code. Et à la fin, je voudrais pouvoir, pour un bout de code donné, tracer et dire ce bout de code, il est là parce qu'il répond à telle exigence de mon client. Normalement, les bouts de code que je n'arrive pas à tracer comme ça,
Eh bien, je vais pas réussir à les facturer correctement. Ben, parce que pourquoi j'ai fait ça si j'arrive pas à le tracer à une exigence, c'est pas logique. Hein. Donc ce genre de choses. Ouais, ça se répète un peu là, les qualités, je crois que je saute. Bon. Donc, une définition possible, un peu verbeuse cette slide, désolé. Bon, mais c'est une définition, hein. Donc, une méthode de développement, ça doit expliquer qu'est-ce qu'on doit faire comme modèle, comme schéma, comme abstraction, comme représentation de mon système. Ça doit me permettre de concevoir l'application en allant plus vite, avec un gain de productivité. Une bonne méthode, on espère qu'elle est assez facile à apprendre et assez facile à mettre en œuvre, de façon à vraiment améliorer la productivité. Et puis, donc, on retrouve cette idée que dans la méthode, il y a à la fois des étapes. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est analyse, on va faire des conceptions, etc. Des moyens. Donc, ça peut être des diagrammes, ça peut être des tests, ça peut être différentes natures de, des ébauches d'IHM, des maquettes, des choses comme ça. Et des produits intermédiaires du développement. Alors, les produits intermédiaires du développement, c'est qu'est-ce que je vais présenter. Disons, je vois mon client tous les mois. Qu'est-ce que je lui présente? Est-ce que c'est un proto-exécutable? Est-ce que c'est plutôt des documentations? Est-ce que c'est des PowerPoint ou des, je sais pas moi, enfin, des dessins d'IHM juste pour lui montrer des esquisses? Enfin, bref. Sur les cycles un peu plus lourds, on aura des délivrables qui vont être soumis à pas mal de contraintes, qui seront annoncées au début du projet et qu'il faudra fournir en temps et en heure, typiquement avec des rapporteurs qui vont relire ces différents documents et les évaluer. Alors, la gestion de projet, c'est-à-dire la conduite du projet, tout ça, ça touche un petit peu la méthode. C'est-à-dire, on va trouver des méthodes comme Scrum qui vont dire une équipe de développement, c'est 8 à 10 personnes max, hein, ça suffit. Mais bon, ce n'est pas toutes les méthodes et ce n'est pas quelque chose qui va tellement nous préoccuper dans le jeu. Bon, ben voilà, ça c'était la présentation de ce que c'est qu'une méthode. J'ai des questions là-dessus ? Donc la méthode, c'est quelque chose d'un petit peu lourd. C'est ça qu'il faut comprendre quand même. Hein. Vous avez vu, je vous ai sorti plein de préoccupations sur les qualités du logiciel, machin. Il y a plein de sortes de complexités qui m'arrivent dessus. Il y a plein d'intervenants et tout ça. Mais il me faut ce contexte-là pour atteindre les objectifs du cours. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile dans ce cours de génie logiciel. C'est qu'en majorité, vous n'avez pas été confronté à du développement en entreprise, dans une structure, sur des projets de taille un petit peu... de taille plus importante, hein, tout simplement. Et donc, vous n'avez pas vraiment été confronté au besoin d'une méthode. Le besoin de méthode, il se fait sentir dès que j'ai une équipe un peu plus que moi et mon binôme, quoi, et que le projet il dure un peu plus longtemps, on va avoir besoin de s'organiser plus. Et selon les contraintes, comme je disais, sur la qualité du logiciel, donc si vous allez dans des entreprises comme, je sais pas, Thales ou Sagem ou... Ils sont méchants, ils font des armes. Pas moi, la SNCF, non, non. Ils ne fabriquent pas les systèmes de leur train, ils les achètent. Airbus, hein, on reste en France. Ok, donc si vous allez migrer à côté de Toulouse, ils sont tous fait virer. Bon, c'est pas grave, c'est des mauvais exemples. Bon, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que je vous cite plein de systèmes critiques, des trains, des avions, des systèmes médicaux et compagnie. Si jamais vous avez des systèmes militaires, hein, tout ça, c'est soumis à peu près au même genre de processus et de contraintes sur le processus. Donc, on a tout un système de certification que les compagnies qui veulent répondre aux appels d'offres publics qui chiffrent en millions d'euros, et donc quand on arrive à l'avoir, c'est champagne. Mais d'abord, il faut montrer patte blanche et réussir à expliquer que nos processus, ils sont plus blanc-seing. Là, on est ISO 9001, 9002, compagnie. Hein, donc, on a des processus de développement logiciel qui sont reconnus, qui ont un bon niveau de maturité, de reproductibilité, et que donc il y a des bonnes chances que j'arrive à fabriquer le logiciel cible et qu'en plus il soit correct et qu'il ne plante pas. Donc ça peut avoir une importance stratégique et industrielle selon le domaine de développement dans lequel on est. Évidemment, si vous êtes dans une boîte qui fait
des pages web. Hein. Bon. Le problème ne se pose pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller vers des solutions technologiques clés en main. On va faire du Django Drupal intégré sur une base NoSQL et hop, c'est parti, quoi. Et l'année prochaine, quand tu auras un autre client, et ben on va changer de framework et de machin et de solution. Et puis on sera très content avec ça. Et on n'a pas besoin d'autant de méthodes, si vous voulez. Ok. Alors ça m'amène au deuxième point, donc ça va être la modélisation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation et à quoi ça sert? Bon, donc sans refaire tout ce discours sur la diversité, on a compris qu'il y avait plein de gens qui intervenaient dans le problème. Et qu'ils ont tous des besoins différents de l'avancée du projet pour le chef de projet jusqu'au client. Bon, et le client, il va être important pour nous. Hein. Donc nous, l'idée, c'est qu'on se place dans la situation où on est un genre de SS2I. Hein. Donc nous, notre métier, c'est le logiciel. On fabrique du logiciel, tout simplement. Hein. Donc le processus, c'est qu'on a un client qui se pointe, qui vient avec un cahier des charges. C'est mieux. Ou alors avec un besoin pas encore formalisé sous la forme d'un cahier des charges, c'est moins bien. Mais bon, on va l'accompagner dans la formulation de son besoin. Et ensuite, on va essayer de construire une solution logicielle qui répond à ce besoin. Le client, en fait, les artefacts logiciels, toute la partie technique, le sous-jacent informatique, il ne connaît rien, ça ne l'intéresse pas en fait. Hein. Donc vous voyez que de nouveau, beaucoup des outils ou des diagrammes qu'on a montrés, c'est peut-être pas adapté pour le client. Donc on a plein de points de vue différents, et on est obligé d'accepter cette diversité, mais on a ce problème de réussir à atteindre un petit peu de cohérence dans le système. Alors ce qu'on va proposer, c'est d'essayer de construire des modèles. Alors, la notion de modèle, une magnifique slide. La notion de modèle, c'est un petit peu abstrait sur cette slide, c'est l'idée, c'est que il y a la réalité. Bon. La réalité, elle a beaucoup de dimensions, elle est très complexe, il y a beaucoup de profondeur dedans. Je ne peux pas me préoccuper en continu de toute la réalité, sinon je ne vais pas réussir à m'en sortir. Hein. C'est pour ça qu'on a ces diagrammes qui servent à un objectif précis, qui me permettent de me focaliser sur l'avancement des tâches par mes développeurs dans mon projet, ou qui me permettent de me focaliser sur juste les API des morceaux du système et pas sur le code qui est dedans, ou que j'arrive à me focaliser sur les échanges de données mais pas autre chose. D'accord ? Donc, en partant de la réalité, on va essayer de construire des modèles, c'est-à-dire des représentations de cette réalité qui sont construits dans un certain objectif, avec un certain point de vue. Donc là, c'est un petit peu... j'ai envie de dire, c'est ça l'intelligence, hein. Du moins, c'est une des marques de l'intelligence, c'est d'être capable à la fois de filtrer correctement les choses et de regrouper, fusionner les concepts similaires pour en faire un concept dont on peut se servir. Donc, il y a un travail ici. Pour passer de la réalité jusqu'à un modèle, il y a un travail d'identification de qu'est-ce que j'ai envie de modéliser, à quel grain, à quel niveau d'abstraction ou de finesse. Et donc, c'est les méthodes de modélisation qui nous ont dit à faire ça. Ensuite, ce qu'on espère, c'est que le modèle, eh bien, c'est beaucoup mieux que la réalité ou que les représentations mentales que j'ai, parce que ça y est, c'est un vrai objet que je vais pouvoir manipuler. Donc, ça doit me faciliter le passage vers une solution logicielle que je vais pouvoir entrer dans un ordre. D'ailleurs, dessus. Hein. Voilà. Alors, est-ce que le modèle, je vais réussir à tout seul faire la flèche qui part du modèle et qui va vers le logiciel? C'est pas très évident. Hein. Donc, il y a des supports outillés pour les modèles. Déjà, les modèles sont des objets. Hein. C'est des objets qu'on peut manipuler informatiquement. C'est des ensembles de documents et d'artefacts et de diagrammes UML, je sais pas quoi. Et puis, bah, si vous avez déjà fait de l'UML, on a déjà dû vous faire cliquer, par exemple, sur le bouton « Generate code » à partir d'un schéma UML pour fabriquer un minimum de squelette de code Java. Donc, on voit que le modèle, effectivement, il peut aider à basculer vers la représentation logicielle
dans certains cas, c'est ce qu'on appelle des modèles productifs. Donc à partir du modèle, non seulement j'ai construit le modèle, mais en plus je vais pouvoir construire certains artefacts au niveau logiciel. Cela dit, tous les modèles ne sont pas comme ça, qu'on ne permet pas de construire des artefacts au niveau logiciel. Donc, pourquoi modéliser ? Ce n'est pas seulement pour générer, hein, c'est d'abord pour communiquer. C'est ça l'idée du modèle. Hein. C'est que le modèle, ça va nous donner une plateforme où on se comprend. Parce que si je fais un diagramme de classe, c'est un diagramme de classe UML, et UML est standard, et il y a d'assez bonnes chances que quelqu'un d'autre qui regarde le même diagramme de classe que j'ai construit, il le comprenne de la même manière que moi. Et qu'en plus, le diagramme de classe, c'est une représentation assez compacte quand même de beaucoup d'informations. On peut faire assez rapidement un petit diagramme de classe et hop, on a un composite avec des expressions ou quelque chose comme ça. Et la personne qui est en face de moi, qui est du même domaine métier que moi, c'est-à-dire qu'aussi un développeur, eh ben, il va facilement comprendre mon schéma et il verra tout de suite les mappings qui existent vers le logiciel ou comment ça s'agence ou comment réaliser ça. Donc le rôle des modèles, ça va être de communiquer. Hein, pareil, si j'ai un Gantt, eh ben, c'est une représentation des tâches et du timeline que je vais pouvoir partager entre les développeurs qui doivent réaliser les tâches et entre le chef de projet. On va se comprendre entre nous et comprendre tout le monde où sont les deadlines et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec. D'accord ? Donc le but de ces modèles, de ces représentations un petit peu semi-formelles ou rigoureuses qu'on essaie de construire du système, c'est d'abord de communiquer avec les gens du métier et aussi avec les gens qui ne sont pas forcément du métier. Parce que assez souvent, on réussit à construire des abstractions qui sont suffisamment abstraites pour qu'on arrive à les présenter à quelqu'un qui n'est pas du métier et qu'il arrive quand même à piger quelque chose sur ce qu'on est en train de faire. Hein. L'autre aspect, c'est que c'est pour communiquer, mais aussi pour communiquer peut-être avec soi. C'est-à-dire que ça peut être un instrument de réflexion. Quand je suis en train de réfléchir à un problème, avant de commencer à le coder, eh ben peut-être je vais mettre sur mon tableau ou sur un outil, hein, si j'ai plus le temps, et construire quelques diagrammes qui vont me permettre de réfléchir sur la solution que je vais construire, comment est-ce qu'elle est agencée, comment vont se faire les échanges. Donc le fait de construire les modèles, ça peut aider à améliorer votre compréhension et ça peut être une heuristique pour simplement comprendre ce que c'est qu'il faut faire. Hein. Et aussi pour documenter. Donc là, c'est de la communication avec soi, mais à travers le temps. Je vais construire un petit modèle que je vais mettre de côté. Comme ça, si jamais je retombe sur cet algorithme qui était compliqué, eh ben, j'aurai des indicateurs ou des aides qui vont me permettre à me replonger dans le bain. Le deuxième objectif des modèles, mais c'est vraiment secondaire par rapport au premier objectif, hein, c'est de contrôler. Donc on aimerait bien que les représentations qui sont dans le modèle, elles soient un minimum contrôlables. Donc on ait des outils peut-être automatisés qui permettent d'extraire des métriques sur ces modèles et qui permettent d'analyser est-ce que, par exemple, ils sont consistants. Ça veut dire internally consistant. Il n'y a pas d'incohérence interne. Il n'y a pas des fautes de syntaxe, je ne sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas des fautes grossières. Et aussi la cohérence. Donc la cohérence, là, c'est plutôt entre deux artefacts différents. Disons, entre un Kanban et un Gantt, disons, et c'est les mêmes tâches qui sont censées être décrites. Bon, ben, on a une intersection non vide entre ces deux choses-là, donc on voudrait faire attention à la cohérence. En UML, il y a plein d'exemples de cohérence aussi, on reviendra là-dessus. Les qualités des modèles, bon, je crois qu'on a fait beaucoup de qualités. Hein. Bon, ben, on espère que les modèles ils soient effectivement cohérents et qu'ils soient couvrants par rapport au problème, quoi. Voilà, donc les qualités des modèles, hein. Donc on voudrait qu'ils soient cohérents,
On voudrait qu'il soit complet, on voudrait qu'il soit courant vis-à-vis des objectifs. On voudrait que toutes les parties modèles servent à quelque chose, qu'ils soient pertinents. Et on voudrait en plus que ce soit élégant. C'est un peu subjectif, hein. Mais donc on aimerait bien que notre modèle il ait des bons concepts, qu'il soit bien adapté à ce qu'on présente, qu'il soit facile à comprendre par les gens du métier et donc à transmettre pour communiquer. Ok, donc je reviens sur cette idée de cohérence versus diversité. Donc on a vraiment ce fort besoin de cohérence, mais on ne peut pas uniformiser parce que la diversité dit que chacun des utilisateurs doit avoir son propre vue du système. Alors comment est-ce qu'on peut traiter cette dualité? Ben, l'idée c'est que on va essayer de se donner cette vision de ce que c'est qu'un modèle et de ce que c'est qu'un diagramme. Donc l'idée c'est qu'on a le gros patatoïde au milieu là. Ça c'est ce que je vais appeler le modèle. C'est une magnifique ellipse, hein. Donc le modèle, dedans, je mets tout. Je mets tout ce qui a rapport avec mon projet. Donc dans le modèle, j'estime qu'il y a le code. Le code source fait partie du modèle. La documentation fait partie du modèle. Les diagrammes que je construis font partie du modèle. Les tests font partie du modèle. Les verdicts d'exécution des tests font partie du modèle. Je sais pas, les documentations... tout ce qui sert à construire, à maintenir, à concevoir mon application, j'ai envie de coller tout ça dans le modèle. Et donc le modèle, c'est l'agglomération de toutes les informations que j'ai sur mon projet. Et à partir de cette grande masse d'informations, je vais considérer qu'un diagramme, ou une vue sur ce modèle, ça va être... une sélection, je vais filtrer, je vais sélectionner un sous-ensemble des informations du modèle et je vais les représenter dans une notation qui met en avant un certain axe, un certain point de vue, un certain objectif. Donc si je suis en train de faire, je sais pas moi, de la dynamique, et ben je vais plutôt utiliser des diagrammes de séquence. Si je suis en train de faire la structure statique, je vais plutôt faire des diagrammes de classe. Mais à la fin, les lignes de vie sur mon diagramme de séquence, eh ben, c'est des instances, des objets de mon diagramme de classe, et les méthodes qui sont invoquées sur les messages, eh ben, c'est des méthodes qui existent dans les récepteurs des opérations, etc. Donc on a plein de niveaux de cohérence comme ça. Mais donc l'idée c'est que la cohérence dans ce dessin là, elle est assurée parce que, vous voyez, il y a une intersection non vide entre cette vue là et la vue qui est là. L'intersection non vide, c'est peut-être que certaines de ces classes, elles ont un lien sur certains de ces cas d'utilisation. Ou que, disons, à gauche, pour avoir un diagramme de classe, à droite, un diagramme de séquence, eh ben, c'est que les lignes de vie sur le diagramme de séquence correspondent aux classes qui sont sur le schéma de gauche. Donc cette cohérence, elle est apportée par le modèle lui-même. L'idée, c'est que comme le modèle, il contient une seule fois l'information, ici, dans l'intersection des deux, mais même si je la représente de différentes façons à gauche et à droite, comme c'est la même information, j'ai assuré la cohérence de mon système. C'est ça l'idée. Donc cette vision entre modèle versus diagramme, c'est quelque chose qu'on va pas mal travailler, notamment parce que c'est aussi la vision qu'on a en UML. Donc en UML, si vous avez déjà fait de l'UML apparemment, on a en général un browser de modèle sur la gauche, dans lequel on voit tous les objets qui sont dans le modèle. Et puis, ensuite, on a une ou plusieurs fenêtres dans lesquelles on construit des diagrammes. Et les diagrammes, et ben dessus, je traîne les classes qui sont dans mon modèle, celles que j'ai envie de dessiner, je les traîne sur le diagramme, et après je peux faire un autre diagramme où je représente de nouveau les mêmes classes, ou peut-être d'autres classes, ça c'est mon choix. Mais donc, chacun des diagrammes est en train de montrer un sous-ensemble des informations du modèle, présentées selon un certain axe, un certain point de vue, je sais pas, diagramme de séquence, la dynamique, diagramme de classe, la structure. Ok. Alors, je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus, j'ai une ou deux slides sur UML après, d'introduction, on va dire. Alors, donc, transition.
Donc, la deuxième chose qu'on va faire en dehors d'utiliser des modèles et UML, c'est qu'on va utiliser des concepts orientés objets. Ensuite, on va essayer de monter dans ce cours vers de l'orienté composant. Donc, j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient fait du Java. Hein. Donc, si vous avez fait par exemple POP, genre L3, là, ici, on a fait beaucoup d'orienté objets, on a fait plein de design patterns et des choses comme ça. Vous avez une bonne idée de comment organiser le code à un niveau fin. Mais on va essayer de monter avec une granularité, aller vers les composants, si tu veux, et peut-être préparer une transition vers les services. Alors, je vais rappeler un peu ici les grands principes de l'orienté objet sur lesquels on a besoin de s'appuyer. Donc l'orienté objet, déjà un petit peu d'historique, un petit peu de perspective. Souvent on appelle ça des langages de troisième génération, avec l'idée que les langages de première génération, c'est essentiellement les punch cards et autres assembleurs, hein. Donc des instructions très primitives où essentiellement on a GoTo pour se déplacer. Si on a du bol, il y a un GoSub, mais bon, pas gagné, hein. Simplement des instructions côte à côte. Ensuite, on a les langages procéduraux. Les exemples typiques, c'est le C ou le Pascal, qui est mort entre-temps, le pauvre. Mais c'est des langages dans lesquels on définit des fonctions. On peut définir des structs, hein, des structures de données qui permettent d'assembler plusieurs champs et d'avoir des pointeurs ou des choses un peu compliquées dedans. Et donc, comment est-ce que je me sers de ces choses-là? Eh bien, je vais les mettre dans des fichiers d'entête. Et puis, je vais avoir des fonctions qui prennent en argument certaines de ces structs. Et puis, l'ensemble de tout ça, si je suis bien discipliné, peut-être je vais mettre les fonctions qui manipulent la struct dans le même fichier d'entête là où j'ai déclaré ma struct. Et puis, si je suis un peu moins discipliné, je vais peut-être en mettre un peu de partout. Hein. Et au final, je n'ai pas vraiment de contraintes. Les structures de données et les fonctions qui agissent sur ces données, elles ne sont pas contraintes d'habiter ensemble ou d'être rapprochées les unes des autres. L'encapsulation, elle est plus mauvaise, on sait, en général. Hein. On a tendance à en mettre un petit peu partout. Après, on s'en sort avec des préfixes, avec des nommages et tout ça. Bon, l'orienté objet... L'idée fondamentale, hein, c'est au lieu de définir des structs et des fonctions qui prennent des structs, on va définir des classes. Alors la classe, tout de suite, on a à la fois la structure de données, les attributs de la classe, mais on a aussi les fonctions qui opèrent sur ces données. Les deux sont regroupés au sein d'une seule unité, et on a une notion forte d'interface. Donc on a une façon d'invoquer ces fonctions, qui ne nécessite pas de savoir ce qu'il y a dans l'objet. Je n'ai pas besoin de savoir quels sont les attributs ou quelle est la structure de données dans mon objet pour être capable d'invoquer ces méthodes et de m'en servir. Donc c'est ce niveau d'encapsulation plus la possibilité de faire de l'héritage et de la redéfinition. Donc essentiellement des mécanismes un petit peu glorifiés pour faire des pointeurs de fonctions, mais pour que ça se passe bien, qui me donne les langages orientés objets. Bon, après, si on continue l'évolution, on a tous les langages modernes là, de script, dans lesquels les notions de typage commencent à être délidées. En général, on a juste trois types. On a les scalaires, là, c'est 3.14, mais aussi bonjour et toto. Et puis, on a les listes d'objets. Et puis, on a les hashes, les dictionnaires, ou enfin, selon le langage, ils ont des nommages légèrement différents. Les maps, en gros, des tables de hash. Hein. Et d'autres mécanismes. Et puis bon, il y a le fonctionnel qui suit son propre chemin et qui aujourd'hui est plus ou moins intégré, si on regarde des trucs comme Scala, avec des langages comme Java ou même en C++, on peut faire des lambda, on peut faire un peu de fonctionnel. Ok, donc l'objet... Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte cette notion de classe. Donc la classe, elle a un certain nombre d'attributs et puis un certain nombre de méthodes. Donc ici, une représentation assez simple d'une classe en UML.
On a ici ce qu'on va appeler trois compartiments. Le premier compartiment, il contient le nom de la classe. C'est une locomotive. Le deuxième compartiment, il va contenir les attributs de la classe. Là, il y a un petit moins devant, c'est pour dire que c'est des attributs private, que a priori personne n'a envie d'accéder. Et puis ensuite, il va y avoir un certain nombre d'opérations, on va dire en UML, ce qu'on appelle des méthodes en Java, ou des fonctions membres en C++. En gros, donc je peux utiliser méthode ou opération, ça dépend un peu des moments. J'essaie d'utiliser opération quand on fait de l'UML, mais bon, faut qu'on se comprenne, je crois que ça va. Donc ici, un certain nombre de méthodes qui vont être déclarées. Alors, la classe elle-même, c'est une famille d'objets que je vais pouvoir construire avec. Donc les objets sont des instances d'une classe, dans lesquelles, ici, j'ai l'instance loco 21, et bien c'est une locomotive qui se trouve être rouge et machin, d'accord? Il y a toutes ces caractéristiques là-dessus. La même classe, je peux l'instancier plusieurs fois, avec des valeurs différentes. Donc j'ai aussi loco 12 et loco 31, qui sont bleu et vert. Okay. Je peux avoir plein d'instances de la même classe. Par contre, on voit que dans l'instance de la classe, on ne remet pas les méthodes. Ben, on ne remet pas les méthodes parce que les méthodes, les opérations, elles ont été définies au niveau de la classe. Donc les traitements sont définis au niveau de la classe. Par contre, les données sont spécifiques à chaque instance de l'objet. Et donc un objet, c'est simplement une instance d'une classe dans un état particulier. Alors, ici, ce que j'ai utilisé comme notation, c'est un diagramme des objets. On voit qu'il y a le nom de l'objet ici, loco 21. Ensuite, on a deux points et on a le type de l'objet. C'est la classe ici, locomotive. Donc ça, c'est une notation qu'on va recroiser régulièrement dans l'UE. C'est la notation UML pour parler d'une instance d'un classifier qui peut être une classe ou un certain nombre d'autres objets. Des composants en particulier. Ok, la deuxième chose dont je voudrais parler sur l'enveloppe d'objets, c'est ce discours sur l'encapsulation. Donc essentiellement ce que ça apporte l'objet par rapport au procédural, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée d'encapsulation. Je vais faire un peu de... Donc l'idée c'est que l'objet, c'est un peu comme une cellule. J'ai cette espèce de capsule. Le masque. Désolé. Alors, ouais, tiens, j'ai pas fait ça. Donc, petite parenthèse, une minute sur le Covid. Covid. C'est bien, au moins, on a un amphi de taille raisonnable parce qu'il y avait des gens assis par terre lundi en PCR. Donc, on va faire au mieux avec les conditions qu'on a. Hein. Là, l'idée, c'est que je me dis que sûrement qu'on va fermer la fac au bout d'un moment, enfin, vous inquiétez, hein. Mais bon, je vois pas très bien comment est-ce qu'on va tenir longtemps dans ces conditions, donc je sais pas très bien ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a des gens qui risquent de pas pouvoir venir, tout simplement parce que soit vous êtes malade vous-même, soit vous êtes un cas contact, à quel moment je vous recommande de pas venir, enfin, je vous demande de pas venir. Voilà, ou peut-être si les enseignants sont absents ou que il y a des directives tout simplement et qu'on nous dit de fermer. Hein. Donc moi j'y peux pas grand chose, mais je vais quand même essayer de mettre en place des mécanismes qui peuvent vous aider à travailler même si vous n'êtes pas en présentiel. Hein. Déjà on va essayer de pas pénaliser les gens qui peuvent pas venir. Et pour ne pas trop pénaliser au niveau du travail, donc déjà là il y a des slides, hein. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la première année où on a des slides dans cette UE. D'habitude je remplissais les trois tableaux trois fois pendant les deux heures. Là, là vous êtes très privilégié, vous n'êtes pas en train de prendre des milliards de notes. Donc ça c'est pour aider à bosser chez vous. Hein. Je vais essayer de filmer les amphis. Moi, j'ai eu des petits soucis avec ma webcam, donc je pense que le film ne sera pas terrible, mais il y aura au moins une trace sur un film pour l'amphi, et peut-être avec le temps, la qualité va s'améliorer. Et sans doute, je vais essayer de filmer un groupe de télé, de façon à mettre des vidéos en ligne pour, si vous ne pouvez pas venir, voilà, pour au moins reprendre sur ces supports vidéo. Évidemment, je ne sais pas très bien
Enfin, je ne sais pas. Vous me ferez un retour, est-ce que c'est utilisable ou pas les supports vidéo, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Mais bon, je pense que ça peut être un truc dans la bonne direction. Voilà. Voilà, bah écoutez, la parenthèse Covid. Donc on va faire du mieux qu'on peut et je vais essayer de mettre des supports vidéo pour vous aider à pouvoir suivre l'UE même si vous n'êtes pas présent. Donc je reviens sur l'encapsulation. Donc ceci est un objet. L'objet est un peu comme une cellule. Il a ici un genre de noyau. Le noyau, on veut le protéger, on veut l'encapsuler justement. C'est ce noyau qui contient mes choses privées à moi, hein, mes structures de données. En particulier, c'est là-dedans, dans le noyau, que je vais cacher comment est-ce que je stocke l'information et comment est-ce que je réalise les traitements. Après, autour de ce noyau, il y a une interface. L'interface, c'est simplement la déclaration des services que j'offre. En général, l'interface, elle est constituée que de services, c'est-à-dire des méthodes. Je déclare que j'offre une méthode add qui prend deux entiers. Je déclare que j'offre une méthode petit m qui rend void. D'accord ? Ça, c'est l'interface. Et quand je me sers de cet objet, comment ça marche ? Eh bien, c'est un modèle événementiel. Donc, j'ai ici quelqu'un d'autre. On va revenir sur qui ça peut être, c'est quelqu'un d'autre. Qui se pointe et qui me dit « Ah, je voudrais que tu me dises m, je voudrais invoquer la méthode m avec la valeur 12. » Alors ici, cette invocation, j'ai juste besoin de connaître la signature de m, donc elle tombe ici dans l'interface de mon objet. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va résoudre, peut-être avec de l'héritage, peut-être pas, pour essayer de trouver l'implantation de la méthode m. Donc l'implantation de cette méthode m, je vais la mettre en rouge. L'implantation de la méthode M, ça consiste à aller regarder dans le noyau, manipuler les données du noyau, donc tout ça, je ne le montre pas à l'extérieur, hein. Je calcule mon résultat, c'est 42 la réponse, on le savait, et hop, je renvoie mon 42 dehors. Et donc, la partie en rouge qui est ici, c'est le code de la méthode M. Le code de cette méthode M, il est caché dans la définition de la classe et il n'est pas directement visible des clients. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ben, supposons qu'aujourd'hui j'ai fait mon implem et que j'ai calculé 42 localement, mais que demain je me rends compte qu'il y a une bibliothèque très efficace qui sait mieux calculer 42 moins. Ben, je pourrais peut-être substituer mon noyau pour prendre un autre noyau dans lequel je vais faire de la délégation. C'est-à-dire que je vais m'adresser à un autre objet, qui habite ailleurs. Donc mon noyau, ma structure de données, au lieu que ce soit X et Y ou des entiers ou je ne sais pas quoi, ça va être une référence vers cet autre objet là-bas. Ouais, donc quand on va invoquer M, au lieu de calculer comme ça, je vais aller sur mon noyau, je vais faire une invocation là-bas. Là-bas, ça va être résolu. On va me calculer 42. Et hop, je vais le redonner au client. D'accord ? Globalement, le fait que j'ai réussi à correctement encapsuler mon noyau et que personne ne le connaît, ça me donne cette force de substituabilité. Ça me permet de substituer une réalisation de mon objet, une autre réalisation, et puis je peux la mettre en place. Et ce qui est important, c'est que du point de vue des clients, que j'appelle le client ici, c'est celui qui utilise la fonctionnalité que je développe, celui qui invoque la méthode, tout simplement. Hein. Et bien, le client, il n'est pas impacté. Il n'est pas impacté parce que si j'ai bien fait mon encapsulation, le fait que j'ai décidé maintenant d'utiliser une délégation ici pour aller chercher mon résultat par rapport à le calculer moi-même, c'est complètement transparent ou opaque, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, le client, il ne peut pas le voir. Il ne peut pas s'en rendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Et au niveau objet, ça consiste à cacher ses attributs de base, hein, et si possible, ne pas trop exposer dans son interface des choses qui permettent de deviner comment est-ce que je stocke mes données. Par exemple, ne pas mettre des accesseurs systématiques sur tous les attributs de ma classe, mais plutôt offrir une belle interface fonctionnelle, enfin avec des fonctions de haut niveau, qui correspondent à des services, et qui vont me permettre, si je décide de changer ma réalisation, et ben de le faire
Facilement. Donc l'encapsulation, vraiment une notion importante. Ensuite, on a l'abstraction. Alors l'abstraction, ça va bien nous servir. Ça permet de homogénéiser ou de fusionner ou de d'abstraire un certain nombre de types qui ont des caractéristiques communes. Donc, l'héritage ou la généralisation en UML, c'est comme ça que ça s'appelle, ça représente avec ses flèches, avec une grosse tête triangulaire fermée, hein, parce que j'ai tous les ans des gens qui continuent à me faire des flèches en pointillés. Donc la forme des flèches en UML a de l'importance et est sémantique, hein, ça veut dire qu'une flèche qui a une tête fermée, c'est pas la même chose qu'une flèche qui n'a pas la tête fermée. Là, celle sans la tête fermée en pointillé, c'est une dépendance. Celle avec la tête fermée en pointillé, ici, c'est implement en Java, ou generalize en UML strict. Ça veut dire qu'une locomotive diesel est un locomotive. Une locomotive électrique est un locomotive. Sur locomotive, en haut, on a mis un stéréotype. C'est le truc avec les doubles chevrons autour. C'est quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement en UML. Ça permet de spécialiser la définition d'un concept d'UML. Ici, on dit oui, c'est une classe ce truc, mais ce n'est pas tout à fait une classe. C'est une interface UML. Alors l'interface UML, c'est comme l'interface Java. C'est une classe abstraite qui n'a que des méthodes et des constantes, mais qui n'a pas d'attributs propres. Donc ici, l'abstraction, ça consiste à introduire une interface explicite. Donc là, vous voyez, par rapport à mon dessin de l'objet, et ben, l'interface, je peux carrément la réifier. Réifier, rendre chose, hein, en faire un vrai objet. Donc, je peux avoir l'interface qui habite dans son propre fichier et qui me définit l'ensemble des fonctions que je peux trouver sur l'objet lui-même. Et séparément, l'objet qui dit simplement, moi, j'implémente l'interface. Et puis après, si on se débrouille pour, à l'aide d'une factory ou un autre mécanisme, éviter au client de savoir comment est-ce qu'on fabrique cet objet, eh bien, il aura juste besoin de savoir l'interface. Il n'aura même pas besoin de connaître l'objet concret qui réalise cette interface. Donc, la définition d'une interface, c'est quelque chose d'important en objet. On va beaucoup travailler sur les interfaces. On trouve ça très intéressant, les interfaces. L'interface, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'attribut dedans. Ça veut dire que quand j'utilise une interface, on ne peut introduire que ce qu'on appelle des dépendances fonctionnelles. C'est-à-dire que je dépends d'une fonction qui m'est rendue par la chose à laquelle je m'adresse. Je ne dépends pas de sa structure, de comment elle est réalisée. Donc les dépendances fonctionnelles, c'est beaucoup plus facile ensuite de changer la façon dont c'est réalisé, parce qu'il n'y a pas d'hypothèse sur la structure. Donc je vais pouvoir assez facilement imaginer une autre façon de réaliser ces fonctions. Et de nouveau, ça préserve le client des changements, parce que le fait qu'elle soit réalisée différemment, ça ne change pas son nom, ça ne change pas son interface, donc les clients ne sont pas impactés. Donc c'est super les objets. Oui, c'est bien l'orienté objet. Mais le problème de l'orienté objet, c'est que la classe ne vit pas seule. Donc, supposons que je suis dans un code Java et je fais un new array list de integers. Super, c'est tout simple, hein. Donc array list, c'est à peu près le conteneur le plus simple de Java, hein. C'est un vecteur, stockage contigu, bon. Sauf que vous savez peut-être que array list de T en Java. Alors là, vous m'avez dit que vous parlez du Java. Et bien en fait, c'est une classe qui extends, qui implémente liste de T. Donc liste, c'est n'importe quel conteneur qui a un accès indicé aux éléments, hein. Ça pourrait être liste chaînée, ça pourrait être une array liste. Que cette interface-là, ça c'est une interface
Je vais mettre IDF. MN, elle est en collection. Et que une collection, c'est un itérable. Et d'ailleurs, dans itérable, il y a une signature, c'est itérator, qui me rend un itérator, qui est encore une autre interface. Bon, je crois que ça suffit pour les besoins de mon exemple. Hein. Donc, dans mon code, j'ai fait new ArrayList de int. Et en fait, qu'est-ce que j'ai traîné avec ArrayList ? J'ai traîné quasiment tout P-Objective. Hein, j'ai traîné plusieurs interfaces, parce que j'ai quatre couches d'interfaces qui sont au-dessus de ma classe, qui sont toutes les déclarations de ce qu'elle s'est réalisée. Plus des concepts liés, parce que dans les signatures, je me mets à embarquer d'autres concepts qui viennent connecter dessus. Et donc, si je voulais... En fait, si je veux me resservir d'ArrayList dans un autre programme, c'est pas juste que je peux prendre ArrayList.java et puis la copier dans mon autre programme et puis que ça tournera. D'accord ? Il faut que je copie ArrayList, et puis list, et puis collection, et puis itérateur, et puis itérable, et puis machin, et puis... D'accord ? Donc, par rapport à la réutilisation, on voit que l'objet, c'est une unité assez médiocre de réutilisation. En fait, si je veux donner à quelqu'un distribuer une bibliothèque Java, ce que je vais donner, c'est un jar. Hein, et un jar, c'est un ensemble de classes qui habitent dans des packages un peu hiérarchisés. Si je suis propre, j'aurai des packages .imp qu'il n'est pas censé regarder, et puis des packages avec plutôt les déclarations, tout ça. Ok. Donc, vu que nous, on voudrait favoriser la modularité et la réutilisabilité et tout ça dans nos applications, on va essayer de se donner quelque chose qui a une granularité un peu plus grosse, qu'on va appeler un composant. Donc le composant, ça va être un petit peu comme un paquet Java équipé d'un certain nombre d'interfaces. Et les composants, ils auront le droit de dépendre les uns des autres que via des interfaces, hein, donc des abstractions, des dépendances fonctionnelles. Et ça va nous aider à la fois à favoriser la réutilisation, mais aussi ça va nous permettre de traiter l'hétérogénéité. Donc un deuxième problème des limites des modèles objets, hein, c'est que les modèles objets sont un petit peu hermétiques, un petit peu racistes aux autres façons de voir les choses. Hein. Par exemple, j'ai une base de données relationnelle. Ça existe, hein. C'est normal dans votre système d'avoir une base de données relationnelle. Bon, bah, vous avez fait de l'UML, vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous en faites de ma base relationnelle? Comment vous la modélisez? Comment est-ce qu'on l'intègre à notre modèle qui est censé contenir tous les artefacts du développement, nanani, nanana, comme on a expliqué, hein. On a un vrai problème. On a un vrai problème pour modéliser ça, hein, à tel point qu'il y a carrément des solutions qui existent qui sont des adapteurs orientés objets, OAD et compagnie, là, qui permettent de mascarader la base de données relationnelle pour faire semblant que c'est de l'objet, pour réussir à connecter ou à tisser la base de données relationnelle dans le domaine objet avec des couches logicielles. Okay. Bon. Les composants, ça va me permettre de dépasser ces problèmes, ces limites. Hein. L'idée du composant, c'est que j'y accède via une certaine interface. À l'intérieur, comment est-ce qu'il est implanté, dans quel langage, qu'est-ce qu'il fait, etc. En fait, on va réussir à s'en abstraire. On n'a pas besoin de le savoir. L'astuce pour faire ça, eh ben, ça va être d'échanger des données qui sont faiblement typées. Il y a des données qui n'utilisent que des types simples. Des strings, des int, des flottants, des types numériques, ça passe. On ne va pas échanger des objets, hein, des classes Java ou je ne sais pas quoi. Parce que si j'échange des classes Java, bah, il va falloir que l'autre bonhomme de l'autre côté soit aussi en Java. Peut-être que je vais réussir à faire du RMI ou un truc comme ça pour distribuer mon application Java ou pour transmettre mes classes Java. Mais RMI, c'est pareil, c'est cloisonné dans l'espace Java et je ne peux pas interagir avec d'autres technologies. Au moins pas facilement. Hein. Au contraire, le composant, ça va permettre d'interagir entre des technos arbitraires. Hein.
Donc, dans le modèle de composants, on a une espèce d'API qui est matérialisée à travers des interfaces qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Le composant, c'est un peu comme la classe, on instancie. Quand on instancie le composant, et ben, hop, je peux le poser sur l'étagère. Après, je vais pouvoir l'assembler avec d'autres composants et réfléchir à plein de configurations différentes. Je peux très bien avoir des composants qui sont réalisés dans différents langages et ça ne les empêchera pas d'interopérer. Il n'y a pas de raison. Hein. Et je peux aussi avoir des composants qui sont distants. Avec un petit peu de ce qu'on va appeler des bus logiciels, on va être capable de mettre en place des systèmes qui permettent de faire le brokering. C'est-à-dire, j'ai une requête que je voudrais balancer à tel autre composant. Et ben, je vais m'adresser au service de nommage qui va me retrouver le composant pour moi, qui va transmettre ma demande là-bas, récupérer les résultats, me les ramener, et tout ça transparent pour moi, avec des proxys, des choses comme ça. On va passer pas mal de temps sur les composants. Le composant, c'est bien parce que ça tire dans la bonne direction moderne, qui est software as a service et autres software orienté d'architecture, qui sont un peu des buzzwords d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de buzzword-là ? Eh ben, c'est que mes composants, non seulement j'ai une interface qui permet de les utiliser, mais cette interface, je l'ai exposée via des protocoles comme SOAP, HTTP. Hein, donc je peux attaquer, disons, avec des requêtes en JSON, et puis un HTTP POST, HTTP GET, là. Je balance mes requêtes sur le web service que m'offre Google pour faire des cartes, ou sur le web service que m'offre GitHub pour avoir des stats sur mon projet, ou sur le web service que m'offre... Bon voilà, donc toutes ces compagnies là qui nous offrent plein de web services auxquels on peut poser des questions à l'aide d'un programme qui les interroge sur une certaine API. Et j'ai pas du tout besoin de savoir dans quel langage ont été développés ces différents web services pour construire mon application qui va être finalement une chorégraphie de web services assemblée dans un certain scénario. Mais là, on atteint vraiment le niveau ultime où. Non seulement je ne sais pas, mais je n'ai pas vraiment de façon de savoir comment c'est implanté ces services, ni dans quel langage, etc. Donc là, voilà, c'est le prolongement de l'orienté composant. Parce que quand on parle de composants, on pense souvent plutôt à des plateformes à composants. On aura un cours, je vous présenterai un certain nombre de plateformes avec des composants, mais il y en a moult. Hein. De .NET à, je sais pas, OSGI, les systèmes sous-jacents d'Eclipse... J2 Enterprise Edition, c'est le Java avec des composants dedans, etc. Donc ça, c'est des frameworks de composants un peu plus intégrés, ou un peu plus anciens aussi. Et puis la vision moderne des composants, c'est sans doute ces software as a service et compagnie. UML. Parlons un peu du UML. Alors UML, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'unique que vous connaissez un petit peu. C'est donc une notation unifiée et standardisée pour représenter des artefacts logiciels et un petit peu la frontière entre logiciel et matériel. Un petit peu, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même pas très adapté pour les artefacts matériels. Si vous voulez faire du hardware ou du VHDL, ou... il y en a qui sont saisis là. Ouais, ça ne m'étonne pas, hein. Les gens de saisie ne viennent pas en IA. Hein. Ok. Donc voilà, c'est plutôt quand même pour des artefacts logiciels, mais même si la prétention du UML, c'est de couvrir un peu plus que ça. Alors UML, ça s'appelle Unified. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la fusion de plusieurs autres notations. Ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement, les méthodes de développement, bon, on commence à voir émerger ça vers les années 80, en fait, hein, où la problématique, les entreprises grossissant et les projets grossissant, etc., on commence à avoir une industrie de l'informatique, tout simplement, qui se développe, hein, qui n'existait pas forcément beaucoup dans les années 70, puisque plutôt, à part les chercheurs et les physiciens, pas grand monde qui se servait vraiment des ordinateurs. Et là, on arrive avec des gens comme Oracle qui rentrent dans le marché sur une vraie problématique de faire des systèmes d'information et des services aux entreprises. Donc, il y a des méthodes qui apparaissent pour essayer de construire des applications
avec des choses comme Meurice en France, qui est une stratégie pour construire essentiellement des systèmes d'information accrochés sur une base de données SQL, avec des façons d'accéder à cette base pour les utilisateurs. Et puis, l'orienté objet arrive dans les années 90, on commence à avoir des premiers langages orientés objet, et toute une réflexion qui se met en place sur comment est-ce que je peux modéliser, comment est-ce que je peux représenter ces différents logiciels à un niveau d'abstraction à peu près raisonnable pour que j'arrive à comprendre ce qui se passe sans m'enfoncer dans les détails. Voilà. Et donc on a différentes notations qui sont proposées par des auteurs indépendants, avec chacun de ces auteurs qui écrit son bouquin de 300 pages sur comment utiliser ma méthode pour développer votre logiciel. Et donc on a à gauche Bush là, qui propose ce qui est important, c'est de réfléchir aux échanges de données entre les parties de mon application. Donc je vais vous faire un truc, ça s'appelle les message sequence charts. C'est les prédécesseurs des diagrammes de séquence actuels, dans lesquels on se préoccupe de savoir, tiens, quelles sont les données véhiculées entre deux objets que je représente verticalement comme ça. On a au milieu la méthode OMP de Rombo. Donc OMP, c'est Object Modeling Technique, peut-être, un truc comme ça. Donc pareil, il est sorti son bouquin là-dessus. Et l'idée, c'est on va faire des carrés comme ça, avec différents compartiments dedans. On va mettre le nom de la classe ou de l'entité en haut. Et puis ensuite, on va mettre les méthodes parce que c'est la partie publique. Et ensuite, on va mettre les attributs. Vous voyez qu'en dehors de l'ordre, c'est les diagrammes de classe du ML. Hein. Et puis pareil, l'héritage, la grosse flèche triangulaire, elle est au milieu de la flèche, entre l'objet qui hérite et l'autre, et pas au bout. Enfin, vraiment des petits détails comme ça. Sinon, donc, ce OMT, ça va nous donner les diagrammes de classe. Qui permettent de représenter la structure statique, et qui sont aussi très utilisés parce qu'ils ont un bon équivalent 1-1 sur le code. C'est-à-dire que les classes, c'est facile de faire des diagrammes de classe, et c'est facile aussi de voir qu'à partir d'un diagramme de classe, je peux générer du code équivalent. La troisième méthode, c'est Ivar Jacobson. Donc c'est sa méthode OOSE qui est basée sur la modélisation des besoins. Alors une idée assez nouvelle à l'époque, hein, c'est que on va essayer de partir du besoin utilisateur et tirer tout le développement dans cette direction. Si je prends Meurice, hein, que je citais tout à l'heure, c'est une méthode dans laquelle on commence par faire un recensement et un inventaire de toutes les données que va y avoir besoin de manipuler dans le système. Après tout, c'est pour faire une base de données. Hein. Donc on va faire des choses comme des dictionnaires de données et des schémas. Alors, c'est pas encore entité association à l'époque parce que c'est pas encore standardisé comme entité association, c'est un standard ISO. Hein. Mais bref, ils ont leur propre schéma Meurice pour dessiner les bases de données qui ressemblent beaucoup au schéma entité association. Et voilà, et puis un peu plus tard dans le cycle, quand on a réussi à concevoir la base de données, on va commencer à regarder comment est-ce qu'on accède à cette base de données pour les clients. Bon, et au final, peut-être qu'on a fait plein de choses qui servent à rien au client final. Hein, c'est-à-dire qui servent à développer mon système. Donc là, dans OOSE, l'idée c'est qu'on va partir du client. On part du client, on va essayer d'identifier les besoins du client, qu'on va appeler des missions. C'est les missions que le système remplit pour le compte du client. Et ça, on va capturer ça avec un formalisme assez simple, avec des bulles. On va appeler ça des cas d'utilisation. Et donc les cas d'utilisation, ça va être que veut faire le client avec mon système. Et c'est ça qui m'intéresse. Et à partir de ces cas d'utilisation, on va tirer le besoin. Ce que j'expliquais tout à l'heure sur la traçabilité des exigences. C'est qu'en partant de ces différents besoins du client, on va essayer de tirer le développement pour répondre à ce besoin, toujours, plutôt que d'aller proactivement construire une grande maison et ensuite décider qu'est-ce qu'on va faire dedans. Ok. Alors, ces trois bonhommes qu'on appelle parfois les trois amigos, là, se réunissent vers 98 dans les confs Modex, machin, et décident que ce serait bien de faire un truc unifié, donc et d'avoir une fusion entre OMT, OOD, là. Et puis, un peu plus tard, ils se ramènent avec le troisième, et ensuite, ils décident d'intégrer d'autres choses. Donc, les state charts de RL et des state machines et quelques autres formalités. Ils collent tout ça ensemble dans un document, et ça fait UML 1.0, qui sort vers 98, peut-être fin 97. Alors, ça a pas mal de succès. Hein. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très excitant dans les
dans l'industrie, parce que ça y est, on va avoir une façon un petit peu homogène de discuter entre les structures et tout ça. Mais il faut quand même avouer que les premières versions, c'est vraiment un agglomérat de choses un peu diverses et variées. Donc c'est le modèle que j'ai dessiné au début, mais dans lequel il y a plein de choses hétérogènes et machin, et la cohérence, elle n'est pas terrible, en fait. Donc vers 2005, on a aussi une grosse évolution de l'infrastructure. Donc comme UML est un langage très compliqué et qu'on voudrait en plus le standardiser et le rendre échangeable entre différents outils, il y a un vrai défi technologique qui a consisté à développer des stratégies, des techniques de métamodélisation et autres, dont on reparlera un peu sur la fin du jeu. Et donc, vers 2005, on a UML2, dans lequel les objectifs de cohérence sont bien mieux atteints. Et donc, maintenant, on est en UML2.5.1. Et c'est un standard qui a 3 ans et qui évolue très peu. C'est 2.5.1, c'est un patch. C'est un petit patch sur 2.5 qui était sorti 3 ans avant. Donc, c'est une notation et un langage qui est aujourd'hui stable et qui évolue peu. Hein. Et qu'on peut considérer que qui est bien supporté à la fois par les outils et pour communiquer avec les gens. Selon le temps disponible. Ben, je finirai là-dessus si j'ai le temps disponible. D'accord ? C'est un petit exemple d'un diagramme de séquence, un diagramme de classe et un diagramme d'objet, mais j'ai pas fait les diagrammes, donc il faut que je les fasse au tableau. Donc si j'ai le temps, je les ferai, sinon on verra ça la prochaine fois, c'est pas grave. Ouais, je vais regarder un petit peu de temps pour parler un petit peu de l'UE. Donc déjà, à quelle sauce vous allez être mangé, comment on va se couper le CRS, comment ça va organiser. Donc l'idée c'est qu'on a 10 séances. Donc aujourd'hui on a fait une séance d'intro un peu creuse. Enfin, c'est pas que c'est creux, quoi. C'est un peu des banalités, si vous voulez, ce que je vous raconte sur qu'est-ce que c'est que les qualités du logiciel et tout ça. Je pense que c'est intéressant de le voir, parce qu'en général, vous ne l'avez pas vu. Et d'autre part, j'essaie de ne pas trop présumer de l'homogénéité du niveau dans le M1, là. Forcément, il y a un petit peu de rappel, un petit peu de mise en jambe, tout ça, un petit peu de contexte. Après, au fil des séances, on verra de plus en plus de choses nouvelles, je pense que ce sera nouveau pour tout le monde, quoi. Donc, on va commencer par un arc qui va durer 3 séances, essentiellement, sur l'analyse. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces fameux cas d'utilisation et comment s'en servir pour essayer de capturer le besoin de l'utilisateur. On va essayer de capturer la structure des données que doit manipuler l'application, le domaine métier, donc on va appeler ça les classes métiers. On va fabriquer des fiches détaillées qui vont nous fournir des spécifications fonctionnelles fines. Je ne dis pas que c'est très amusant à rédiger, mais quand on a réussi à construire ce document-là, on a vraiment une bonne spécification, étape par étape, de ce que doit faire le système. Et enfin, on va essayer de contrôler ou de valider tout ça en essayant de réfléchir à des séquences d'entrée-sortie que le système doit pouvoir activer. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais ça sur le système? Comment est-ce qu'il réagit? Et capturer ça à la fois avec des diagrammes de séquence et surtout avec des tests. Des tests qu'on va appeler de niveau validation. Donc, un test de validation, c'est un test où en gros je m'assieds devant la machine, j'installe le logiciel, je fais clic, clic, clic sur l'écran et il doit se passer quelque chose. On doit me montrer un résultat. Donc, je ne sais pas du tout comment c'est fait. C'est des tests fonctionnels de bout en bout de est-ce que le logiciel remplit sa fonction. Donc ça va être la phase d'analyse, qui consiste essentiellement à répondre à la question « quoi ?». Je pars d'un cahier des charges, d'un besoin exprimé par le client. Je voudrais atteindre un document qu'on va appeler la spécification technique du besoin. Un document qui me rapproche de mon équipe de développement, qui contient de façon bien prouvante, exhaustive, tout ce que doit faire le système, et qui va permettre d'attaquer l'étape suivante de conception en ayant une base solide sur la définition du système qu'on cible. Donc l'analyse, ça ne parle pas de la solution elle-même, hein. Ça parle du problème. Ça va être ça vraiment la grosse chose importante, c'est qu'on va essayer dans cette phase d'analyse de se concentrer sur définir les contours du problème et pas les contours de la solution elle-même.
Alors du coup, l'examen réparti 1, en fait, il arrive plutôt après la séance 6, hein, je pense, comme ça. Mais il porte en fait que sur l'analyse. C'est comme ça que ça marche traditionnellement dans cette UE. Donc on va avoir deux examens répartis, un vers novembre et un vers janvier, je pense. Donc le premier, c'est entièrement sur la phase d'analyse. Donc on vous donne à chaque fois un cahier des charges nouveau et on vous demande d'identifier les cas d'utilisation, de modéliser les données manipulées, avec un certain nombre de questions. Bon, on reviendra là-dessus au fil de l'eau. Mais donc, beaucoup moins technique. Le deuxième examen réparti, c'est plus sur la partie conception, orienté, composant, avec plus de compétences techniques qui ressortent. Donc c'est plutôt là que si vous n'avez pas fait beaucoup d'orienté objet, sur la deuxième partie de l'UE, c'est un peu plus compliqué. Pour la première partie, il faut bien comprendre les concepts et puis réussir à appliquer la démarche. Donc le deuxième arc, ça va être la partie conception. Donc on va faire trois séances de conception, avec un premier niveau gros grain qu'on va appeler la conception architecturale. On va rentrer un peu plus dans le détail de comment ça marche les composants, comment les décrire et les assembler entre eux. Et ensuite, on va plonger au cœur des composants et regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut implanter un composant qui répond à cette à ses besoins, interface requise, interface offerte. Donc on va regarder comment on peut réaliser ces composants, par exemple en Java, vu que vous parlez Java normalement, ou dans d'autres langages. D'ailleurs, on fera aussi des petits composants qui encapsulent une base de données, par exemple. Ensuite, on va regarder les tests. Donc deux petits niveaux de tests de plus, avec les tests d'intégration et les tests unitaires. Et puis, on fera le bilan. Donc, l'idée, c'est que ces six séances, ça correspond à des étapes qui vont être dans le cycle en B. Donc, on va utiliser dans l'UE le cycle en B, j'ai déjà mentionné sur notre slide. C'est un cycle qui est plutôt à vocation pédagogique qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire que l'intérêt de ce cycle, c'est que les étapes sont très bien définies, très bien formalisé, tout le monde est à peu près d'accord sur ce que c'est que le cycle en V et en quoi consistent les étapes de cycle en V. Après, vu la durée du semestre et compagnie, on n'a pas vraiment le temps de faire des itérations, donc on va rencontrer quelques petits soucis par moment, et ça reste une méthode qui est un petit peu lourde, donc qui s'adresse plutôt à des projets avec un petit peu de critique ou des équipes un peu plus grosses et tout ça. Donc c'est une méthode qui est un petit peu lourde à notre échelle parce qu'on va appliquer ça en TD en TME. Mais bon, l'idée, c'est que vous sortez de là en ayant une bonne idée de en quoi ça consiste, une méthode un petit peu solide, les étapes, les définitions soient claires pour vous, quoi. Donc ensuite, on va regarder un petit peu d'autres approches, et un peu faire la critique de ce qu'on a fait dans ces six séances, d'une certaine manière, en regardant des cycles plus légers, des méthodes de développement légères ou agiles, avec un focus sur la méthode Scrum, une méthode agile mais plutôt mieux formalisée que la moyenne et dans laquelle il y a un certain nombre de pratiques intéressantes. Donc on essaiera de plonger un petit peu là-dedans et voir un petit peu comment est-ce que l'agile compare ou fusionne ou touche les choses qu'on a faites dans les six séances là. On va regarder aussi un petit peu UML. Alors UML c'est bien parce que c'est standard, mais UML c'est aussi un peu c'est un peu trop profond, c'est un peu trop gros, il y a trop de concepts, il y a trop de trucs dedans. Donc il y a une tendance aujourd'hui, c'est plutôt d'aller vers des petits langages qui sont plus opérationnels, qui sont plus spécifiques à un domaine, qu'on appelle des DSL, des langages de domaine spécifique, qui vont permettre par exemple de générer du code, ou d'être vraiment opérationnel immédiat, ou peut-être c'est des petits DRM, ou vous avez déjà fait du SAP Designer, SAP. Bref, donc il y a beaucoup de ces langages qui existent dans les logiciels d'entreprise, même souvent c'est des notations propriétaires, et qui vont permettre de construire une application. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment ça marche ces choses-là, comment est-ce qu'on fait l'ingénierie d'un langage. Alors UML c'est un exemple de langage, et donc c'est des technos qui ont été développés pour UML à l'origine, mais qui aujourd'hui permettent de travailler avec n'importe quel langage. Donc on va parler un petit peu de méta-modélisation, voire de méta-méta-modélisation, parce que plus on a de méta, plus on est content. Bon, et puis bilan. Les hypothèses, les références, oui, donc j'espère que vous parlez un petit peu Java.
Si vous ne parlez pas Java, je vous recommande d'essayer de ramasser un support de Java pour la deuxième partie. Peut-être celui que je recommande dans ce cas-là, ce serait le Head First in Design Pattern. Il doit exister en français, hein, peut-être la première dans le Design Pattern. C'est un bouquin que j'aime bien, qui est aligné sur Java, qui est plutôt un support... je le recommande en POP sur N3, mais si vous n'avez pas fait du E de Java précédemment, ça ne peut pas vous être inutile. Et puis comme il y a aussi des design patterns là-dedans et pas juste du Java, ça vous permet aussi de bosser un peu les patterns, qui est quelque chose un peu en filigrane dans cette UE. On aura souvent l'occasion de parler un petit peu de patterns. Il y a une page web. Donc sur la page web, je vais vous mettre les slides là qu'on est en train de regarder, les énoncés de TD de PME, mais les énoncés de TD, on va aussi les imprimer. Il y a des fiches de cours. Alors, comme je disais, traditionnellement, ce cours, je le faisais entièrement à la craie, mais au bout d'un moment, il y a quand même des fiches de cours pour que les choses importantes soient notées au propre et qu'on ne me reproche pas que les gens n'aient pas pu lire le tableau. Donc les fiches de cours, c'est des récapitulatifs, des bilans sur les choses importantes de la démarche qu'on voudrait que vous appliquiez. Les vidéos, je croise les doigts, ça devrait marcher. Et puis, il y a une espèce de corrigé pour un projet Sudoku qui est censé vous guider dans le développement de votre équipe de TM. Je vais parler de ça. Les références biblio, ouais, donc ma référence principale, c'est quand même le Submarine. Hein. C'est un peu un pavé, mais c'est vraiment la grosse référence dans le génie logiciel. C'est très bien rédigé, c'est bien formalisé, on a des définitions claires et propres des différentes choses. Je ne sais pas si c'est forcément très... vous pouvez essayer de le ramasser et de lire des chapitres, hein. Ça ne peut pas vous faire de mal, vraiment. Hein. Après, c'est un petit peu profond et peut-être un peu trop large, disons, par rapport à l'UE. Je vous recommande toujours, évidemment, le GOF, le bouquin Design Pattern. En M1, je pense qu'on peut ramasser le bouquin Design Pattern, l'original. Hein, mais si vous préférez d'autres bouquins, ça me va aussi. Si vous n'avez pas fait du ML... ou que vous voulez compléter un peu sur ML, je vous recommande un ou deux bouquins. Le premier, Larman, c'est pas vraiment de l'UML, hein, c'est plutôt software engineering et du génie logiciel, avec notamment toute une partie sur l'analyse qui est assez intéressante et qui est assez proche aussi de ce qu'on fait dans cette UE. Pascal Rock qui a écrit de nombreux bouquins sur l'UML qui sont assez bien, mais pas trop gros. Hein. Vous pouvez trouver ça chez Erol ou des choses comme ça. Et plus globalement, je voudrais vous inciter à lire. Vous êtes en M1, vous avez maintenant assez de recul pour être capable de ramasser un support technique, un bouquin et en lire. Il faut se dire, quand vous ramassez un de ces bouquins, que ok, je vais lire un chapitre, ça va me prendre une heure. Bon, voilà, je le fais sérieusement. S'il y a des exercices dans le bouquin, lire le chapitre, ça va me mettre 2 heures, disons, en faisant les exos. Et puis, je vais sortir de là, je saurai plus de choses. Hein. Et pas se cantonner juste au support qu'on vous donne, machin, mais diversifier vos sources et plus vous saurez de choses, plus vous serez malin. Bon, l'organisation c'est classique, donc 2 heures cours, 2 heures TD, 2 heures TME. Le pourcentage, on a un tout petit peu bougé cette année parce qu'on nous a demandé. Donc il y a 10% sur la note de TME, 40% sur le premier examen réparti et 50% sur le deuxième. Donc en TD, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la démarche sur un cahier des charges avec l'enseignant, l'histoire de bibliothèque. Et en PME, eh ben, c'est là où on va faire un jeu de rôle. Donc on va vous coller en équipe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de méthode, comme on disait, si on est en binôme et qu'on bosse sur son petit truc dans son coin, ça n'a pas d'intérêt. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un petit jeu de rôle où vous êtes une SS2I. Une petite boîte constituée de 6 à 8 ingénieurs motivés, issus de différentes spécialités du master qui vont combiner leurs forces afin de répondre au cahier des charges et de satisfaire au mieux le besoin, n'est-ce pas? Donc l'idée c'est qu'on aura 4 ou au maximum 5 équipes par groupe de TD. Les groupes sont assez pleins, avec des 32, 32, 28, un truc comme ça. Donc voilà, ce sera des équipes assez importantes. Ça pose un certain nombre de défis, hein. D'être en équipe.
Il faut réussir à franchir ces problèmes de dynamique de groupe et de réussir à fédérer les forces pour qu'au final, on ait effectivement 6 à 8 fois plus de force que quand on est tout seul. Donc, vous êtes encore mieux avec les synergies. Hein. Donc, pour ça, c'est important de se donner un petit peu des outils, notamment au niveau de la communication. On va insister pour que vous essayiez d'utiliser des mécanismes de communication écrits avec une trace. Après, ça m'est égal la plateforme que vous utilisez, si vous préférez un truc qui tourne sur le téléphone portable pour être notifié au bidule ou pas, ou si vous préférez un truc qui est plus comme un Google Group avec une notion plus de mail et on va tirer les contenus plutôt que de se faire pusher dessus. Ou je sais pas, j'ai vu des groupes qui faisaient du Discord, même du WhatsApp, peu importe. Tous ces services, ils ont la même caractéristique, c'est que quand j'envoie un message, je l'envoie et tout le groupe peut voir le message. C'est sûr qu'il y a personne qui a oublié, qui n'est pas dans la liste. Et aussi, a posteriori, si je veux remonter le temps et retrouver les messages qui ont été échangés, je peux toujours. Ça va éviter les groupes où on nous dit à la fin, ah oui, mais je l'avais appelé, il n'est pas venu à la réunion, nanani, nanana. Ça, c'est les pires genres de soutenance, c'est quand les gens, ils arrivent, ils commencent à se laver leur linge sale pendant la soutenance, à se tirer dessus. Ok, donc ne faites pas ça. Le problème, c'est qu'on ne choisit pas vraiment ses collègues, d'accord? Dans la vraie vie, c'est pareil, hein, on ne choisit pas forcément tous les gens avec qui on bosse. Dans l'eau, si on tombe d'ailleurs dans une bonne boîte, eh ben, y en a un certain nombre qui sont sympas, qui pourront devenir peut-être même des amis. Hein, mais de base, c'est des collègues. Donc on est là, il faut réussir à bosser ensemble. Ah oui, on va faire du RSA, il y a une procédure sur le site web pour télécharger le logiciel. Mais donc il faut réussir à collaborer tout le temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de maintenir des relations professionnelles avec vos collègues de votre SS2I fictive. Évidemment, c'est mieux si vous arrivez à choisir des gens avec qui vous avez un peu d'affinité. Mais en majorité, vous ne vous connaissez pas tous. On se retrouve dans les groupes de télé, bon, bah, un peu comme ça. Hein. Donc voilà, il faut être préparé à se dire que effectivement, dans l'équipe, je ne connaîtrai pas tout le monde de façon égale. Mais on va bien s'en sortir. Alors, quand on a une équipe comme ça, à 6 ou 8, c'est important de réussir à partager le temps qu'on passe à tous se réunir, à parler tous ensemble en même temps, là. Ça ne sert pas à grand-chose. Et les moments où on est en train de travailler. Bon, pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir des réunions. C'est important d'avoir des réunions pour faire le point et pour rester synchrone. Mais les réunions, il faut un petit peu les gérer. Donc, la première idée, c'est on met un time box. Donc, le time box, c'est la notion que je fais cette activité. Quand j'arrive au bout du time box, que j'ai fini, pas fini, ça ne change rien, je change d'activité. On switch. Hein, on switch de contexte. C'est une compétence qui est utile à développer, qui vous permettra d'optimiser vos résultats en examen aussi. Hein. C'est le même principe. Je regarde les points par question. Quand j'ai fini d'écouler le temps que j'avais le droit pour répondre à cette question, j'enchaîne sur la question suivante. Hein, c'est le même principe. Donc on essaye, disons, on a une séance de 2 heures de travail parce que c'est le TME. Bon, on essaye de caser en 10 minutes ou 15 minutes la réunion dans laquelle on est tous là, mobilisés, à être en train de faire cette réunion. Si possible, si on lève des problèmes ou qu'on a besoin d'une synchronisation supplémentaire, bah, par exemple, moi j'ai un problème là-dessus, bah, l'autre team me dit, bah, ok, bah, moi je peux t'aider, on va bosser ensemble dessus pendant cette séance, très bien. Et ben, bah, on n'a pas besoin de discuter comment on va bosser, on le fera à l'extérieur de la réunion, d'accord ? En isolant, en coupant un petit peu les choses. Et puis, donc, les réunions, pour que ce soit efficace, il faut que les gens ils se pointent et que bah, déjà, c'est mieux s'il y a un maître de cérémonie ou quelqu'un qui tire un petit peu la direction de la conversation. Mais donc, une façon de faire ça, c'est d'avoir de nouveau par écrit des petits ordres du jour qui disent de quoi on va parler. Comme ça, les gens sont censés avoir préparé si c'est eux qui vont parler. Et puis un rapport avec l'idée que dans le rapport, on met les décisions qui sont prises. Donc s'il n'y a rien à mettre dans le rapport, c'est que la décision, elle a servi à rien. La réunion, elle a servi à rien. D'accord ? Dans une réunion efficace, eh ben, y a des choses qui ont été décidées pendant la réunion à plusieurs. C'est ça qu'on va acter et c'est ça qu'on va mettre dans le rapport de la réunion. Et puis bah, la réunion suivante, on va prendre le rapport de la précédente dans lequel il y a marqué un tel a dit qu'il ferait ça et un autre a dit qu'il ferait autre chose. Et ben voilà, bon, on
font ça, bah, du coup, ils prennent la parole et ils disent où ils en sont dans cette tâche-là. Et puis, on enchaîne sur quelles sont les prochaines tâches à faire. On se les découpe et hop, on bosse. Voilà. Alors, les outils de découpage en tâches, on n'en impose pas. Cela dit, il y a des groupes qui ont utilisé très haut, qui ont dit que c'était bien les années précédentes. Je trouve que c'était pas mal, effectivement, comme résultat. Donc, ça peut être une option. C'est un logiciel gratuit qui vous permet de faire de définition de tâches, affectation de tâches, avec un mode un peu Kanban, là. Alors, a priori, vous êtes tous égaux dans l'équipe. Après, s'il y en a un qui veut faire chef de projet, c'est une organisation qui peut fonctionner. Il faut que ce soit consensuel et qu'on soit tous d'accord. Le chef de projet, il a un peu plus de boulot et il fait un peu plus d'orga et de machin. Donc ça demande un investissement supplémentaire pour lui. Mais ça peut bien fonctionner. Ok. Bon, ben, on va rester là pour aujourd'hui. Merci.